Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette 24e et dernière conversation autour. Elle est consacrée à l'écrit dans l'espace public. Et pour échanger sur le sujet, nous avons réuni un beau plateau, Anna Sakani. Anna est spécialiste de la communication visuelle, auteure notamment du livre La ville en toutes lettres, installation typographique dans l'espace public aux éditions Pyramide. Si j'ai bien compris, c'est un livre écrit à partir d'une recherche universitaire sur l'utilisation du lettrage et de la typographie dans l'espace public. Il interroge l'écrit comme outil de communication et d'information et sa manière de s'intégrer poétiquement à l'architecture. Bon, vous développerez. Il présente un large panorama d'installations typographiques contemporaines dans le monde, dont celle de Pierre Dissiulo, près de moi. Pierre est graphiste, aussi sensible à l'architecture, typographe et dessinateur de lettres. Depuis 1983, il dessine, écrit et édite la revue Qui résiste, qui est une publication expérimentale personnelle. Certaines de ses recherches portent sur l'incarnation de la voix dans l'écriture. Alors ça m'intrigue. Il a mis en œuvre plusieurs réalisations avec des architectes où le langage est présent. Guillaume Mont-Saint-Jean. Guillaume enseigne la philosophie à Marseille après avoir travaillé dans le monde des musées en Italie et à Paris. Guillaume, tu es commissaire de plusieurs expositions. Tu as publié Villissima, dont on parlera ce soir, Villissima, des artistes dans la ville aux éditions Parenthèse. Ce livre étudie la façon dont les artistes contemporains s'emparent de la question urbaine. Et tu nous diras comment tu considères que l'écriture et la littérature sont constitutives de la ville. C'est Catherine De Smet qui conduira les échanges ce soir. Catherine, vous êtes spécialiste du graphisme et de la relation entre graphisme et architecture. Et vous enseignez à l'université de Paris 8, Vincennes, Saint-Denis. Je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci Sandrine pour cette présentation et merci pour cette invitation. Dans ces murs voués aux merveilles, j'accueille et garde les ouvrages de la main prodigieuse de l'artiste, égale et rivale de sa pensée, l'une n'est rien sans l'autre. Choses rares ou choses belles, ici savamment assemblées, instruisent l'œil à regarder comme jamais encore vu toutes choses qui sont au monde. Ça, vous voyez ce que c'est ? Ce sont des phrases de Paul Valéry qui sont inscrites au fronton de ce bâtiment, celui-ci et l'autre, elle. Et il y en a d'autres encore à l'arrière. Et il me semblait que c'était intéressant de commencer par ces citations, puisque ce sont précisément des écritures dans la ville. Et si le regard baisse un peu, en revanche, on va lire un autre type de poésie, crêpes, sandwich, café, gaufres, les gourmandises du Trocadéro, souvenirs de Paris, pavillon breton. Voilà, deux niveaux d'écrits dans la ville, vraiment sur ce site. Je pense que on va, compte tenu de nos invités ce soir, traiter cette question de l'écriture dans la ville sous différents aspects, en fonction des spécialités de chacun, mais donc on pourra traiter aussi bien des aspects fonctionnels de ces écritures, fonction d'information, d'orientation, ces aspects artistiques, littéraires, voire peut-être subversifs, les questions d'espace d'inscription, de lien bien sûr avec l'architecture, avec le contexte urbain, le contexte culturel, évidemment, la dimension aussi formelle et matérielle.
graphique, typographique de ces inscriptions également, et puis peut-être les processus de conception, la commande, la réalisation, les collaborations aussi dont ces inscriptions résultent, et les usages aussi. Pour commencer, je vais donner la parole à Guillaume Mont-Saint-Jean. Et peut-être avant que vous n'interveniez, je présenterai en quelques mots le livre dont vous allez nous parler. Mais pour en dire simplement quelques mots, puisqu'il s'agit d'un ouvrage qui est paru donc aux éditions Parenthèse l'été dernier, qui accompagnait une exposition, mais qui est beaucoup plus qu'un catalogue d'exposition. Il rend compte de l'exposition à travers une illustration abondante et des notices très détaillées sur les œuvres qui étaient présentées. Mais vous avez aussi proposé un texte très nourri avec de multiples références, aussi bien littéraires, philosophiques, architecturales, artistiques, bien sûr. Donc, une pensée très, très ouverte sur la ville. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est peut-être moins visible, mais finalement une sorte d'anthologie de courts textes sur la ville aussi. Donc, c'est un livre avec trois niveaux de lecture aussi. Et donc, vous allez nous en parler plus particulièrement sous l'angle de la thématique de ce soir. Merci bien, oui, volontiers. Oui, là-dedans, vous voyez la bouteille est à moitié vide et à moitié pleine, donc vous décrivez joliment la plénitude. On peut aussi imaginer que c'est aussi le fait de s'attaquer à un sujet comme ça, la ville, sans en être spécialiste en rien. Et donc c'est un petit peu, non pas angoissant, mais enfin on se dit comment, d'abord au nom de quoi, et puis par quel biais. Tout a été dit ou presque, beaucoup de choses seront dites encore, même si ça a déjà été dit. Donc qu'est-ce que je viens faire dans cette galère? Donc il m'a semblé qu'effectivement, il faut tirer parti de cela et multiplier les regards, les horizons. Et ça tombe bien, puisque c'est plutôt ce que j'aime faire. Et donc le propos initial était d'organiser une exposition d'art contemporain, donc de présenter des travaux de plasticiens, en multipliant évidemment les mises en œuvre, les techniques, donc aussi bien de la vidéo que de la sculpture, des installations, de la photo, etc. Mais c'était effectivement l'un des points de départ que de dire la ville est en quelque sorte toujours par excès, toujours dans cette multiplicité, cette abondance. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure, et on en reparlera sûrement tout à l'heure, de l'abondance de lettres, de lettrages, de mots, de textes dans la ville, mais aussi abondance de formes plastiques. Et donc, si la ville est une grande pelote avec des tas de fils, il me semble intéressant d'essayer de tirer certains de ces fils. Alors, l'une des ambiguïtés quand on fait ça, c'est de faire des choix quand même malgré tout, et donc on commence par dire ce dont on ne va pas parler, ce qui n'est pas en question. Donc par exemple faire une exposition d'art contemporain qui traite de certains des axes et des choix d'artistes, ça n'est pas parler de street art, ça n'est pas s'intéresser, enfin, ou pas nécessairement, en tout cas c'est le parti pris que j'ai choisi, ça n'est pas s'intéresser à des graffeurs, qui, c'est un monde à part, c'est un monde qui est tout à fait légitime, voilà, ça n'est pas l'objet d'étude. Ça n'est pas non plus traiter de la grande métaphore de la phrase urbaine ou de la lecture de la ville, avec l'ambiguïté du terme lecture qui ne renvoie pas nécessairement à de l'écriture, mais à une forme de compréhension de la ville pour laquelle on n'a pas forcément besoin de s'intéresser à la question de la lettre et du lettrage. Voilà, c'est donc, il faut en quelque sorte, même si on est tous portés par cela, il faut mettre de côté une dimension métaphorique. Hein. Je pense en particulier, il y a un très joli petit texte, rassurez-vous, c'est court, de quatre lignes de Gérard Genette, tiré de Bardadrac, qui est un livre en bonne partie de souvenirs. « Je rêve parfois, dit-il, que je marche dans une rue de Paris dont les façades haussmanniennes se transforment peu à peu en rayons de livres superposés et alignés à l'infini, chaque étage devenant un rayon,
Chaque fenêtre, un dos de livre. Je cherche une adresse et ne trouve qu'une cote, celle vide d'un ouvrage manquant à sa place. Et je me réveille en sursaut devant son fantôme. Fantôme, entre guillemets, qui renvoie évidemment au fantôme des bibliothèques. Donc ça, c'est d'abord, c'est une phrase qui a sa place, je pense, dans une bibliothèque. Et puis, c'est en quelque sorte quelque chose qu'on a tous plus ou moins en tête, cette homologie, cette omniprésence du livre dans la ville. Donc ça faisait partie, pardon, c'est un peu long comme préalable, mais ça fait partie des couvertures auxquelles on a échappé, des éléments, on ne peut pas tout traiter, de ce qu'on ne traite pas. Alors le point de départ, effectivement, et vous l'avez rappelé avec une partie du texte de Paul Valéry, c'est l'idée de cet encombrement, et y compris de l'encombrement physique des textes dans la ville. Donc cette idée sur laquelle, si vous faites l'expérience en sortant d'ici, regardez votre montre ou votre téléphone, vous prenez 3 minutes et vous essayez de trouver 3 minutes pendant lesquelles, en marchant dans la ville, vous ne rencontrez pas d'écriture. Moi, je n'y arrive pas. Bon, 3 minutes, 200 mètres, enfin ce que vous voulez. Bon. Donc, on ne s'en rend plus compte, bien entendu, mais notre univers, en particulier l'univers urbain, est incroyablement chargé de ces formes d'écriture au sens le plus matériel du texte. Et ça m'a amusé en préparant cette soirée. Je suis tombé sur un texte du Corbusier dans Urbanisme, et pour tout à fait autre chose, mais ça revient quand même à notre sujet. Examinons de près, dit-il, cette immense puissance mécanique qui travaille ici. C'est le rendez-vous international de tous les inventeurs. Sur les bobines des câbles, il est écrit France. Sur les locomotives, Leipzig. Sur les pylônes et les coulottes, USA. Sur les machines électriques, Suisse, et ainsi de suite. Il y a des pièces minuscules, grosses comme 2 noix, et qui servent à faire la suture de 2 câbles. Dans la fonte, on lit USA. Donc, dans l'esprit du Corbusier, c'était sous une autre logique, c'était pas s'attacher à la question de la présence de l'écriture, mais mine de rien, il souligne comment notre univers technologique et notre univers urbain est en plein de tout ça. Et du coup, j'ai essayé, dans ce travail, en faisant la sélection des artistes, de faire des choix, de tracer un certain nombre de lignes. Donc dans ces différentes lignes, à travers cette omniprésence donc, d'une écriture de la ville qui peut être descriptive, qui parfois est prescriptive, oblige ou interdit, qui parfois est plus de l'ordre du récréatif ou du divertissement, parfois est une forme de rhétorique, politique, publicitaire, j'ai essayé de sélectionner des artistes qui me semblent relever de quelques lignes différentes. Et une première ligne a renvoyé à ce que j'ai appelé une géopoétique, une forme de cueillette poétique à travers la ville, mais y compris à travers la ville d'avant notre pratique de la ville. Autrement dit, bien entendu que lorsqu'on est dans la ville, on croise des tas d'écritures, de lettres. Mais avant même d'être dans la ville, notre rapport à la ville et à la ville fantasmée, à la ville rêvée, est fait lui aussi de ces mots, de ces noms. Et vous avez tous en tête le passage nom de pays, le pays, enfin la partie de La recherche du temps perdu dans Du côté de chez Swann. Et je ne vais pas lire l'ensemble de l'extrait, mais le narrateur raconte qu'il lit donc il voulait prendre ce train d'1h22. Dans lequel j'étais monté tant de fois en imagination. Donc, grand plaisir, dont on sait que c'était un plaisir de Proust, c'était de lire des indicateurs de chemin de fer. Et la lecture de ces indicateurs de chemin de fer, pour lui, c'est la lecture du plus beau des poèmes, parce qu'il y trouve la poésie des noms des villes. Villes dans lesquelles il ne se rendra jamais. Donc, Bayeux, si haute dans sa noble dentelle rougeâtre, Vitré, dont l'accent aigu, Logenzais de bois noir, le vitrail ancien, Coutances, Bénodet, et à chaque fois, il développe, brièvement, mais il exprime, en quelque sorte, le nom même des rues dans lesquelles il ne se rend pas, est comme une espèce de boîte à parfum, de levier, qui développe une poétique propre. Donc ça, c'était une première direction. La deuxième direction, c'était celle, au contraire, de l'encombrement, du fait que lorsqu'on est dans la ville, il y a cet encombrement, et en particulier là,
Quand je travaillais à l'exposition, c'était juste après le prix Nobel de littérature attribué à Modiano. Et dans son discours de Stockholm, le discours qui, pour la remise du prix Nobel, il a lui-même parlé de sa pratique de la ville comme étant une pratique des noms. Et en l'occurrence, ça n'était plus les noms des villes, ça n'était pas les noms des rues, ce que font beaucoup les artistes, c'était les noms propres contenus dans les annuaires des villes. Et donc, il parlait du fait que, pour s'aider à écrire dans sa jeunesse, j'essayais, dit-il, de retrouver de vieux annuaires de Paris, surtout ceux où les noms sont répertoriés par rue avec les numéros des immeubles. J'avais l'impression, page après page, d'avoir sous les yeux une radiographie de la ville, mais d'une ville engloutie comme l'Atlantide, et de respirer l'odeur du temps. Et il a toute une méditation là-dessus, et à la fin, la brève indication qui figure quelquefois sur les fiches de recherche a toujours trouvé un écho chez moi, « Dernier domicile connu », qui est un titre d'un de ses ouvrages. Les thèmes de la disparition, de l'identité, du temps qui passe, sont étroitement liés à la topographie des grandes villes. Donc voilà, là c'était autre chose, c'était, et on commence à rentrer, à se rapprocher du travail des artistes, l'idée d'ordonner, d'organiser, de travailler avec des listes, non pas des noms que l'on repère au gré des déambulations dans la ville, mais finalement des noms qui sont comme une sorte de trame de la ville, une trame fantomatique aux yeux de Modiano. Et finalement, son travail consiste à organiser cela. Et dans l'exposition, j'ai sélectionné des artistes, je pense entre autres à Neil Beggs, qui travaillait précisément sur la mise en forme de ces listes. Par exemple, Neil Beggs, j'avais sélectionné un travail qui était dans l'escalier, qui était simplement le travail sur l'ensemble des noms de rues de Berlin. Donc, une série de listes qui sont du domaine public, et son travail artistique consiste à organiser, à donner une forme à ces listes qui sont le résultat d'une longue histoire, qui stratifie la ville, à leur donner des couleurs, à finalement montrer à la fois la rigidité de ces listes, et puis à la fois leur pouvoir évocateur, un petit peu comme les listes de noms de rue de Proust. Et c'était finalement, donc ça renvoie à une pratique qui est chère à beaucoup d'artistes aujourd'hui, qui est un travail autour de l'archive, donc de l'organisation d'une documentation en apparence peut-être triste en certains cas, neutre, administrative, froide. Et une partie de leur travail consiste à redonner chair, en quelque sorte, à cette litanie de noms de rue. Et là, par exemple, Neil Beggs l'avait organisé en ordre alphabétique, tout simplement, hein, mais en essayant d'enrichir à chaque fois le nom de la rue d'un certain nombre d'éléments, à la fois pour nous donner à voir à quel point c'est riche, c'est complexe, et à la fois nous donner à voir aussi combien c'est aléatoire, imparfait, combien il y a des erreurs dans les noms de rues qui sont là. Et je voudrais juste finir en vous donnant deux autres pistes. L'une, c'était de travailler autour de la question du livre. C'est à la façon dont toute une série d'artistes, lorsqu'ils s'emparent, lorsqu'ils cherchent à exprimer une forme d'émotion, de pratique de la ville qu'ils ont pu avoir ou qui leur semble importante dans la ville, recourent à cette forme du livre. Je pense par exemple à Alain Declerc qui travaille sur des livres de poche usagés. Donc sa forme d'expression, en l'occurrence, le travail là, c'est un travail de petits dessins, de stéréotomie, de mise en place de l'univers urbain de New York. Et il dessinait donc un ensemble d'immeubles sur une page d'un livre à $1, hein, des livres achetés d'occasion dans la rue. Et c'était une façon pour lui de donner des rendez-vous à des personnes en vue d'un projet. Et c'était une façon de s'inscrire dans le grand palimpseste de la ville, que ce soit New York en l'occurrence, mais ça pouvait être d'autres villes aussi. Et donc, là, sa démarche était de dire, en tant qu'artiste, je ne peux pas travailler sur une page blanche. Dès lors que j'ai affaire à une ville comme New York, en l'occurrence, je travaille sur une ville qui a déjà été écrite surabondamment
Et donc, sa façon de le mentionner, c'était de se saisir d'un livre sur un papier un peu moche, un livre qui a déjà été manipulé, un livre qui est un livre de seconde, de troisième main, et de dire « mon dessin n'est qu'une couche de plus ». Et c'était sa façon à lui de souligner le fait que ces couches sont multiples et sont déjà écrites en particulier. Et puis, au-delà de la question des livres, donc, il y avait une autre forme qui me semblait intéressante. C'était la façon dont un artiste pouvait, en quelque sorte, révéler ou inventer quelque chose. Et c'est là où la rencontre avec Pierre s'est faite. C'est sur un projet, finalement, qui ne s'est pas fait dans l'exposition Villissima, mais qui est en train de se faire. J'espère que Pierre aura de bonnes nouvelles à nous donner, et un projet donc dans lequel il y avait l'idée d'une écriture à venir. C'était non pas d'un artiste qui révèle la potentialité ou la force des noms de villes en tant qu'ils sont une force poétique, des noms de rues en tant que ils produisent un carroyage intellectuel, historique, un palimpseste, et dans lequel l'artiste vient révéler en quelque sorte une couche de sens, mais là, une forme d'invention et d'invention de noms inventés, pour le coup, d'adresses à venir. Donc l'idée d'une révélation du fait que ce tissu urbain, les noms des villes, c'est aussi notre affaire, c'est-à-dire tout n'est pas écrit, et la possibilité d'inventer ou de révéler est quelque chose qui appartient aux artistes. Donc, je parle de Pierre Sulot. Il y avait un autre exemple, par exemple, tout à fait différent dans l'exposition, qui est Philippe Apelois, avec le travail qu'il avait fait à l'époque, c'était 86, je pense, au musée d'Orsay, autour de l'exposition de Chicago. Et ça consistait à simplement, en tant que graphiste, intervenir sur une photographie de Chicago, en faisant passer à angle droit, vous l'avez sans doute déjà vu, vous l'avez c'était, en tête. C'était l'affiche de l'exposition. C'était l'affiche de l'exposition. Avec, ce qui m'a intéressé là-dedans, au-delà du travail du graphiste concerné, c'était le fait qu'il me semblait que ça avait représenté un moment clé d'un musée naissant, le musée d'Orsay, qui, peut-être pour la première fois, il y avait eu Beaubourg avant sous d'autres formes, mais disait « la ville est mon objet d'étude », c'est-à-dire c'est un musée qui a, parmi ces différents objets d'étude, la ville. La ville devient non pas la ville de Paris pour le musée Carnavalet ou telle ville, mais l'idée de ville devient un objet d'étude. La photographie était exactement au même moment, rentrait par la grande porte dans les collections françaises. Et il m'a semblé que le graphisme et la typographie devenaient là aussi avaient des lettres de noblesse. Et le tissage des trois m'avait semblé intéressant. Donc voilà, que ce soit le travail d'un Philippe Apelois ou que ce soit le travail de Pierre Dussulot, me semblait être une autre piste dans la façon dont les artistes considéraient que, à leur façon, et moi c'est ça qui m'intéressait, c'était de dire, puisque je ne suis que le commissaire donc, qui rassemble des travaux d'artistes, finalement, je trouvais intéressant, même si peut-être la plupart d'entre vous êtes convaincus, du fait que il est légitime que des artistes disent quelque chose à leur façon, pas nécessairement avec un travail d'analyse ou de typologie de la ville, mais à travers leur pratique artistique, finalement, disent quelque chose et apportent quelque chose à cette question de l'écriture de la ville. Alors, peut-être que Pierre Dussulot peut nous parler de ce projet sur lequel on attend peut-être de bonnes nouvelles. Et peut-être, je me demande, puisque la soirée s'appuie aussi sur des ouvrages et que dans le cas de Pierre Dussulot, c'est la collection de Qui résiste, hein, qui est donc un périodique irrégulier depuis les années 80, je crois, depuis le début des années 1983, 80. 1983, oui. Et le Qui résiste entretient une relation très étroite avec ton travail de graphiste ou d'artiste en général. Et est-ce que ce projet pour l'exposition de Guillaume Mont-Saint-Jean qui va se réaliser peut-être ailleurs, est-ce qu'il est donc Qui résiste quelque part? Est-ce qu'il trouve sa source dans un numéro? Il n'y est pas, mais c'est assez facile de trouver des germes, des graines dedans. C'est bien qu'il reste à porter, parce que je vais justement lire deux, trois choses, si tu veux bien.
Il se trouve qu'il y a un livre que j'adore lire, et ça a toujours fait beaucoup rire mes collaborateurs, c'est le Dictionnaire des communes de France. Je l'ai même dans deux éditions différentes. Et j'adore piocher dedans et lire au hasard les noms des communes, avec en plus les petits signes indiquant qu'il y a une perception, une gare, le nombre d'habitants, etc. Et, et donc une des premières pistes avant, pour le composteur d'adresses prédictives, le projet dont il est question là, ça avait été de travailler avec justement les noms des rues de Toulon. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'étais venu, j'avais déniché un plan très beau des rues de Toulon. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'utiliser ces noms propres dans des phrases où ils sont considérés comme des noms communs. Alors j'ai fait ça très rapidement là, avec quelques noms de stations de métro, envers et contre tout, tous les chemins mènent à Rome, avoir une peur blanche, etc. J'ai fait la même chose, mais là, c'est avec ces trois stations de métro de la ligne 2, mais avec les noms de villes de Toulon. Je suis arrivé à des phrases que je trouvais très réjouissantes, mais j'ai l'impression que ça va être réjouissant, surtout pour moi tout seul, et que ça va être difficile de partager ce projet. Alors, comme parmi les indications que tu m'avais données, c'était... ce serait intéressant que les gens puissent jouer avec, et comme j'adore justement, moi je suis très joueur, pas seulement aux cartes, je veux dire, j'aime beaucoup jouer, bon c'est un peu bête de dire ça, mais bon. J'ai changé de direction, et j'ai pensé à ce que les gens puissent inventer des noms de nouvelles rues, plutôt qu'utiliser les noms de rues existantes, et ainsi le projet pourrait être en plus un projet qui voyage, et qui aille de ville en ville. Et donc je me suis orienté vers un projet où l'utilisateur, la personne qui regarde ce projet, qui doit le manipuler, et il est constitué de cylindres qui sont juxtaposés, tous sur un axe. Je sais pas si on a une... Si on peut voir, dans les livres, il y a une photo. Elle est peut-être à petite taille. C'est un système un peu combinatoire. Hein. Voilà. Donc là, ce qu'on voit en tout petit, oui. Bon, imaginez des cylindres à facettes, des modules à facettes, et qu'on tourne comme quand on est à la foire du trône et qu'on veut gagner beaucoup d'argent. Et là, on les lance, et quand ça se stabilise, ce qui est d'ailleurs pose des problèmes techniques, ça s'appelle l'indexation, et en mécanique, ce n'est pas évident à régler. Quand c'est donc mécaniquement parfait, tout est aligné sur la même face, et on a devant soi, je quitte le 26 impasse de la Désirutuille, rendez-vous au rond-point de la Carbunodède, j'emménage 48 boulevard de la Poulonrite. Il faut partir du 9 rocade de la Louclanris. Et vous avez remarqué que le dernier terme, ce sont des substantifs composés de 5 lettres ou syllabes. Et ça me permet, avec ce projet, de composer 32 757 noms d'adresses différentes pour 112 millions d'adresses disponibles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chances pour qu'en l'utilisant, on trouve l'adresse qu'on va occuper quelques années plus tard. Et la question que tu me posais, c'est est-ce que ça prend ses racines dans qui résiste ? En quelque sorte, parce que quelques années auparavant, j'avais écrit des pages de ce carnet dans un train. Ça s'appelle « Merci de votre compréhension » parce qu'à chaque fois que le train en retard s'arrêtait dans une station, j'entendais la voix de préenregistré d'une dame jamais fatiguée qui disait « Merci de votre compréhension », ce qui m'exaspérait grandement. J'étais de moins en moins compréhensif. Et parmi ces pages, il y a des pages où j'essaie de trouver des noms de nouvelles professions. Il y a l'intermédecin, la chemin-infirmière, le déchirurgien, le bananesthésiste, la bayadermato, le moleskiné, le patroutoréador, l'épongiste, la message-femme, que j'aime beaucoup, le sushi-philosophe, la décontractuelle, la casse-couturière, l'occiput, le démago-gigolo, etc. Alors peut-être que tu peux commenter la manière justement dont tes projets peuvent circuler entre la page imprimée, l'espace urbain, l'échelle du livre, l'échelle de la ville. Comment ces passages se font ? Par les retours permanents.
puisque là, dans cet autre chapitre, j'utilise des injonctions qui sont prises dans les restaurants, dans les cafés, dans ce niveau, enfin pas inférieur, mais ce niveau bas du langage dont tu parlais tout à l'heure, sur place ou emporté. Ça devient « nous attendrons sur place, nous sommes prêts à emporter notre dû ». Super promo, ça devient « à mon insu, j'ai peur d'avoir perdu le produit de mon QI ». Ça, c'est donc de la ville vers le livre et du livre vers la ville. Eh bien, c'est par exemple le chapitre précédent, avec ses listes de noms de profession et de symptômes aussi. Bon, c'est vrai, comme tout le monde, je suis concerné par les histoires de santé, donc j'ai trouvé des nouveaux symptômes. Et puis j'ai été invité à intervenir à Villeneuve-sur-Lot en 2011, au moment où j'étais en train de mettre sous presse ce numéro de Qui résiste. Et j'ai proposé, plutôt que d'imprimer 2-3 affiches et de les coller à plusieurs exemplaires, de peindre à la main des affiches uniques et de faire un réseau dans la ville, un circuit plutôt, qui permette de conduire jusqu'au local d'exposition dans lequel il y avait des affiches pour lesquelles je n'avais trouvé aucun lieu de destination. Donc ça c'est plutôt une surécriture dans la ville. Alors ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui m'accueillaient, une association, Jean-Marie Blanchet qui est artiste et Hervé Brice qui est graphiste, tenaient à ce que ces affiches ne soient pas posées en collage sauvage, mais en bon accord, en bonne entente avec les habitants. Et il y a des gens qui sont venus, quand il y a eu une espèce de rumeur qui a couru, il y a des gens qui sont venus pour réclamer des affiches, en particulier un prêtre. Donc on l'a particulièrement soigné, puisqu'il était absolument à avoir des affiches à côté de l'entrée de son patronage. Ça n'était pas un collectionneur, c'était simplement Non, des collectionneurs, j'ai eu affaire à des collectionneurs nocturnes à Aurillac, où j'ai fait des affiches, et il y a des gens qui sont venus chipper la nuit dans les sucettes d'affichage de co. Une affiche, je ne me souviens plus laquelle c'était. Oui, pour un défaitisme de combat. Mais donc là, tu parles d'affichage, donc d'écriture relativement éphémère, oui, dans leur présentation dans la ville. En revanche, beaucoup de tes projets sont des projets durables et relèvent du sujet qu'a traité donc Anna Sakani dans son livre et qui fait que un de tes projets, celui du Centre national de la danse, figure, je crois que c'est le seul, hein, figure dans le livre d'Anna. Peut-être, est-ce que tu veux parler un peu plus de ces projets-là ou de ce projet-là, ou est-ce que Anna nous présente son livre et tu reviens ensuite à tes projets. Peut-être qu'elle présente mon projet. Voilà. Me dites pourquoi elle l'a intégré. Et à ce moment-là, je pourrais en dire plus éventuellement si vous le souhaitez. Donc le livre d'Anna est ce beau volume qui contient de très... Combien d'exemples exactement avez-vous répertorié ? 37. Pardonnez-moi, je ne parle pas très bien le français. 37 projets très, très bien décrits, très précisément, avec, à la fin du livre, quelques entretiens avec des artistes et graphistes qui sont pas mal. Je vous poserai quelques questions à ce sujet. E il progetto di questo libro nasce dalla mia ricerca di tesi. Io ho studiato allo UAV di Venezia e mi sono laureata con il professor Leonardo Sonnoli, che mi ha trasmesso la passione per la tipografia e soprattutto per la tipografia nelle tre dimensioni. Alors ce livre est né donc de son travail de thèse di laurea, de maîtrise, à l'IUAV, à l'Université d'architecture de Venise. Le livre existe en anglais, en français. Non, c'è una versione italiana. No. Voilà, donc c'est donc une... Diciamo che le installazioni che ho presentato sono state scelte con un criterio particolare, perché ovviamente le installazioni tipografiche comprendono un mondo molto ampio e quindi è necessario focalizzarsi su alcuni aspetti specifici per fare un lavoro abbastanza approfondito. Donc les installations typographiques sont innombrables, donc elle a dû sélectionner en fonction d'un certain nombre de critères, et donc voilà les critères qu'elle a retenus pour sa sélection.
Il primo criterio è la permanenza, di cui abbiamo parlato poco fa per il lavoro appunto di Pier Di Sciullo. E per permanenza si intende un lavoro che è progettato per essere durevole nel tempo e quindi si distingue dagli allestimenti museali che sono di solito più effimeri. Alors, le premier critère, c'est celui de la permanence, dont il a été question à propos du travail de Pierre juste avant. Donc la permanence, c'est-à-dire un projet qui est pensé pour durer, par opposition, par exemple, à des installations, des scénographies muséographiques qui, elles, ont une durée de vie limitée. Et un autre critère est la localisation de ces installations. Le installazioni che sono presentate all'interno di questo libro sono tutte situate in uno spazio pubblico o facilmente accessibile. La localisation est le deuxième critère. Elle n'a retenu des œuvres que lorsqu'elles sont installées dans l'espace public, donc accessible. Quello che mi interessava infatti era capire in che modo il progettista affronta un progetto che deve essere rivolto a 360 gradi e quindi non per un pubblico selezionato, ma di cui tutti possono potenzialmente fruire. Oui. Ce qui l'intéressait dans cette recherche, c'était précisément de voir comment les artistes affrontaient un public qu'ils ne connaissaient pas, un public très ouvert, à 360 degrés, dit-elle. Et donc, précisément, c'est cette ouverture qui est caractéristique de l'espace public qui l'intéressait. E l'ultimo criterio è a livello temporale. Ovviamente le installazioni esistono da tempi pressoché immemori, a partire ad esempio dall'Impero Romano, che ha fatto delle proprie scritture incise, praticamente una sorta di corporate identity. Ovviamente non si poteva parlare di tutte le installazioni tipografiche esistenti, ma è stato necessario fare una selezione e in particolare mi interessava parlare della contemporaneità e quindi diciamo circa degli ultimi 50 anni. Le troisième critère a concerné une limitation temporelle qui s'est portée sur les 50 dernières années, alors même que l'Empire romain, Anna parle de corporate identity, c'est pratiquement construit une identité à travers la question de l'inscription très, très raffinée dans l'espace public. Ça ne fait pas partie du champ d'étude, donc ça s'est limité. Ce qui l'intéressait, c'était de parler de la question en des termes contemporains. Donc, en gros, les 50 dernières années. Et à l'interno de ces installations, c'est appunto anche il Centre National de la Danse, di cui si è occupato Pierre. Et donc, le Centre National de la Danse, auquel a collaboré Pierre, pour lequel il est intervenu, a été retenu, puisqu'il faisait partie de ces critères. E donc vous avez été en contact comme ça. Sì, è un grande piacere e onore per me conoscere Pierre finalmente di persona dopo che ci siamo conosciuti solamente per email fino ad oggi. Vous assistez à leur rencontre en chair et en os pour la première fois, donc elle est très contente après avoir eu toute une série de conversations par mail, j'imagine. Sì. Pour faire ce qu'on voit dans le livre. Elle le rencontre pour la première fois ce soir. Anna, qu'est-ce qui vous avez, incité à ne pas faire finalement de différence entre des interventions d'artistes et des interventions de graphistes, parce que c'est une différence que vous ne faites pas. Enfin, on l'a fait. De fait, il y a des artistes qui sont les auteurs des projets que vous montrez, et d'autres fois, ce sont des graphistes. Parfois, il y a des collaborations, parfois non. Donc, est-ce que ça a été un sujet pour vous ou pas du tout? È giustissima la domanda che è stata posta. Quello che ho potuto rilevare è che sicuramente ci sono degli atteggiamenti diversi rispetto al progetto, e di solito vengono anche chiamate figure professionali diverse a affrontare progetti diversi.
Donc, ce qui est effectivement, c'est une question centrale, et ce serait d'abord des questions d'attitude qui seraient différentes. Il y a des attitudes différentes selon que on est artiste ou graphiste. Et donc c'est précisément cela qui est attendu et qui fait que la commande est plutôt s'oriente vers un artiste ou un graphiste. È anche vero però che esistono spesso, come dire, delle collaborazioni e non sono così facilmente codificabili queste installazioni tipografiche. È molto difficile riuscire a catalogarle e in base a chi le ha realizzate. Sono abbastanza trasversali. Donc il y a aussi des cas de collaboration entre graphistes et artistes, mais c'est un champ qu'il est assez difficile d'organiser, de classer. Ça échappe assez aux classifications. Donc ça a été l'une des difficultés rencontrées. Alors il y a un cas dans le travail de Pierre, de confrontation entre son intervention et celle d'un artiste, dans le cas de Figeac et du musée Champollion, et de l'intervention de Joseph Kossuth, qui est une intervention qui... Elle est dans votre... Je pense... C'est pas dans le... La Conachi. Si. Mais donc là, c'est un cas de confrontation, mais peut-être revient au centre de la danse, enfin, dans l'ordre que tu veux. Non, puisque tu parles de musée Champollion à Figeac, qui est aussi présenté dans le petit document que je vous ai fait suivre, voilà. Non, ça c'est le centre de la danse, mais il y a d'autres pages, vous n'hésitez pas à feuilleter. Il y a une page qui présente également la façade du musée Champollion à Figeac. C'est vrai que cette façade, elle a été d'abord imaginée dans le cadre d'un concours. Il y avait un concours qui avait été lancé par la Réunion des musées de France, la RMN, et par la mairie de Figeac, pour la réhabilitation du musée, qui devait véritablement faire peau neuve et arriver dans de nouveaux espaces, parce que la mairie avait acquis au fil des ans de nouveaux espaces, et donc le musée pouvait être complètement réimaginé. Et c'était un concours tout à fait passionnant, mais c'était un concours ouvert à des architectes et des scénographes. Et l'intervention donc de l'œuvre de Joseph Kossuth, elle faisait partie du projet au départ, ou elle était antérieure Elle est antérieure, elle ne fait pas partie du projet pour en parler, parce que c'est une commande publique qui occupe une place qui s'appelle la place des écritures, mais ça touche le musée, et par certains espaces du musée, les visiteurs, quand ils regardent à l'extérieur, ont le regard qui plonge directement sur l'œuvre de Kossuth. Et le sujet est lié. Totalement. Puisque le chef Kossuth a fait reproduire à une échelle beaucoup plus grande la pierre de Rosette qui a permis à Champollion de déchiffrer le mystère des hiéroglyphes, et en plus en s'adaptant à une place on dirait que la place a été dessinée autour de l'œuvre de Kossuth, comme si la place avait déjà la forme de la pierre de Rosette. Il y a trois emmarchements qui correspondent aux trois langues dans lesquelles se trouve la pierre de Rosette, si je ne me trompe pas, en grec, en arabe et en égyptien. Il n'y a pas d'arabe. Donc c'est du démotique, du hiéroglyphique et du grec. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est parce qu'il y avait le hiéroglyphique et qu'il y avait des cartouches autour des noms propres. Il a commencé à déchiffrer les noms propres. Il s'est rendu compte que c'est un système... Tout le monde se demandait depuis des années si c'était un système qui était... consonantique, idéographique, alphabétique, et en fait il a un peu tout ça à la fois, c'est ce qu'a trouvé Champollion. Il faut revenir au concours, donc l'œuvre de Kossuth existait déjà, et j'ai été invité par Alain Moati, architecte... C'est une œuvre horizontale. Voilà, horizontale, qui existait et qui évidemment nous a, donc, qui est très intéressante. Et donc comme elle envahit toute cette place, on doit marcher sur le texte. On arpente le texte, comme mentalement Champollion l'a fait pour essayer de déchiffrer les hiéroglyphes. Et on est plongé dans le texte avec son corps. On plonge comme dans une piscine noire, parce que c'est fait en marbre très, très sombre, comme la pierre de Rosette originale qui était au British Museum. On est avec son corps entièrement dans ce monde de signes, qu'on arpente, qu'on touche avec les pieds ou avec les doigts, évidemment, si on se penche. C'est vraiment très... C'est très, très simple en même temps, très réussi. Et au moment de travailler sur la question de comment signaler que c'était un musée dédié à l'écriture,
en travaillant avec ensemble, l'architecte, le scénographe et moi, on est arrivé à cette proposition d'une façade de 1000 lettres. Et j'ai d'abord commencé à poser des textes dans cette façade. Mais tout de suite, ça venait lutter avec le travail de Kossuth, d'avoir une espèce de réponse verticale tournée vers de l'autre côté du musée, de l'autre côté du pâté de maison sur une autre place. Mais ça venait tout de suite être redondant avec le travail de Kossuth. Et c'est là que j'ai proposé que ça soit en fait une case typographique virtuelle. En plus, ça permettait de jouer dans l'architecture avec la mise à niveau nécessaire des différents paliers. C'est un immeuble très tordu dans tous les sens, puisque c'est un bâtiment qui date du 12e, 13e, 14e siècle. Et le fait d'avoir une grille typographique a permis de jouer avec les niveaux, d'accorder tout ça. Alain Moatti avait l'idée d'une façade en deux temps. Un premier temps, façade de pierre historique, un deuxième temps, une lame de verre, dans laquelle on est venu inclure dans le feuilletage du verre tout un travail en feuille de cuivre, dans laquelle en réserve il y a les lettres qui sont claires de verre, ce qui fait que il y a 42 systèmes d'écriture différentes qui sont présents dans cette case typographique. Donc on pourrait, en imagination, composer tous les textes du monde en prélevant tel ou tel signe. C'est en fait encore plus compliqué que ça, parce qu'il y a certains signes qui en eux-mêmes sont déjà des mots, puisqu'il y a par exemple du chinois. Et j'ai même caché quelques petits textes secrets ici ou là pour les observateurs attentifs. J'ai très très touché qu'il y a eu un visiteur très très attentif qui parlait très très bien l'hébreu ancien, c'est-à-dire un musicien de techno israélien qui m'a écrit un mail pour me dire « mais il y a quelque chose qui ne colle pas là, à tel endroit, j'ai cru décerner, déchiffrer telle chose, ce qui renvoie en hébreu à tel mot, quelque chose d'étrange. Est-ce que là il n'y aurait pas un message codé ?» Alors je l'ai mis en relation avec Alain parce que c'est au moment où j'étais dans mon atelier en train de glisser des textes cachés, Alain Moatti était venu me voir, il m'avait demandé d'en rajouter un de son cru, en hébreu. Donc j'ai demandé à Alain l'autorisation d'éventuellement révéler à ce visiteur la clé de ce message. Ce qu'Alain a fait, ça a donné lieu à un échange très, très sympathique. Et je crois qu'il y a un texte secret aussi dans le projet du Serpentin. Oui. À Pantin. Oui, cette fois-ci, pas caché, il est vraiment une échelle monumentale, parce que c'est également un projet qui est présenté. Il ne se laisse pas lire d'emblée. Voilà. Mais disons que c'est simple. La façade du Serpentin, c'est un immeuble qui ondule, et qui est un immeuble d'Émile Ayot qui a été construit à la fin des années 50, qui ondule, et c'était un immeuble ville. Il y a 2000 habitants qui y résident, 53 cages d'escalier. Et donc, si on fait le total de la surface des façades, c'est un immeuble de 4 étages. Les murs pignons, la façade côté parc et la façade d'extérieur côté rue, ça fait 3 hectares que j'ai composé le graphisme de ces façades avec des petits carrés de mosaïque de verre. Il en faut 32 millions. Donc c'est un écran de pixels avec 32 millions de pixels. Et sur les murs pignons, j'ai envie d'inscrire des textes. Au tout début du projet, j'avais inscrit ces textes en clair. Ils étaient lisibles. C'était comme des affiches que je fais d'habitude dans la rue d'une façon éphémère, mais justement ce qui était terrible, c'est que c'était durable, et ça devenait tout d'un coup une esthétique extrêmement dominatrice, et j'ai pensé que les habitants seraient lassés de mes jeux de mots dans un délai compris entre 3 jours et 3 semaines, et j'ai essayé de me mettre à leur place, et je voyais déjà des séances où les habitants auraient envie de malmener fortement le graphiste qui avait fait ces jeux de mots et les laisser pour les 50 années qui viennent. Donc j'ai préféré rendre ces textes secrets pour qu'ils imaginent tous les textes possibles et imaginables. Il y a 2 ou 3 personnes qui ont réussi à les déchiffrer. Mais alors, comment sont-ils codés? Oui. C'est une opération très simple, mais la clé est rarement trouvée parce que c'est une opération à la fois mentale et physique. S'il n'y avait qu'une opération mentale, je pense que tout le monde le trouverait. Mais comme il faut non seulement être un petit agent secret amateur pendant quelques minutes et en plus se projeter physiquement dans l'espace, la combinaison de ces deux clés, de codage rend l'opération un tout petit peu subtile. Je ne sais pas si je vous éclaire. Il nous reste à aller sur place. Exactement. Et faire l'expérience. Mais un jour, tout d'un coup, j'ai reçu un coup de fil très enthousiaste du conducteur du chantier qui avait les plans sous les yeux depuis 6 mois. Et il a vraiment dit « Eureka, j'ai trouvé ». Alors j'ai négocié avec lui pour qu'il ne le mette pas sur Facebook. Je garde secret les termes de la négociation.
Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Ah non, qui est achevé. Qui est terminé. Oui, ça a commencé en 2009. Le chantier a commencé en 2001, c'est ça qui est incroyable. C'est un chantier de réhabilitation. Les architectes de RVA, parce que j'ai oublié de les citer, qui sont en charge de toute la réhabilitation, ont gagné le concours en 2001 et le chantier a été terminé cet été, en août. Donc 14 ans de réhabilitation. Donc ça veut dire 14 ans de chantier pour les habitants aussi. Et ça n'est pas terminé parce que maintenant nous travaillons sur le parc. Et je suis cette fois-ci le sous-traitant du paysagiste. On m'a proposé de dessiner les clôtures du parc, qui sont en quelque sorte les façades du parc. Un très beau projet. Donc maintenant je fais dans la serrurerie. Avec inscription ? Non, pas avec inscription, mais avec accueil. C'est-à-dire plutôt que ce soit des grilles qui disent « partez d'ici, vous ne passerez pas », quand elles sont fermées, il y a des parties qui accueillent les personnes qui ont envie de patienter un petit peu. Il y a des parties incurvées où on peut s'asseoir, des endroits pour accrocher ses vélos, et des endroits pour mettre des plans. Je croyais avoir une idée extrêmement originale et je me suis rendu compte qu'il y a des grilles un peu partout dans le monde de ce type, à New York, à Amsterdam, au Havre, à Lille. Enfin bon, ce sont des grilles dont les barreaux sont torsadés et ondulent pour pouvoir s'adapter à différentes fonctions plus accueillantes que repoussantes. Anna, le travail que vous avez fait s'est arrêté à un moment donné. Donc vous avez par exemple inclus donc le travail de Pierre Dissulot pour le Centre national de la danse, dont nous allons parler, mais et pas d'autres projets. Est-ce que vous avez continué à identifier des cas intéressants? Est-ce que c'est un travail qui se poursuit ou est-ce que vous êtes passé à autre chose? Comment No, sicuramente è un argomento che mi interessa, perché mi interessa molto la tipografia, mi interessa soprattutto capire le lettere nello spazio e capire le lettere, che cosa c'è dietro una lettera, quindi vedere le lettere non solamente come qualcosa di stampato e bidimensionale, ma anche capire che cosa ci può essere in una terza dimensione. Donc, s'agissant d'un thème qui l'intéresse beaucoup, elle a continué évidemment, et ce qui l'intéresse, ce n'est pas simplement de constater la lettre, mais de s'interroger sur ce qu'il y a en quelque sorte derrière la lettre. Donc c'est l'arrière de la lettre en quelque sorte, métaphoriquement, qui l'intéresse. Et ci sono sicuramente anche dei nuovi progetti che mi hanno colpito, che mi hanno incuriosito. Ad esempio, ho parlato all'interno del mio libro dei Why Not Associate con Gordon Young, che è un caso tra l'altro di collaborazione molto proficua tra diciamo figure professionali diverse, e in questo caso appunto c'è una nuova installazione che si chiama Comedy Carpet. Comedy Carpet, come se fosse tappeto della commedia. Donc alors il faut que tu me redonnes le nom. Why Not Production, comment tu les appelles? Donc, l'un de ceux qui l'a intéressé, c'est Why Not Associates avec Gordon Young. Ça date de 2011, donc. Sì. Comedy Carpet. Sì. E il s'agit de... E si tratta di una pavimentazione tipografica per la quale sono state realizzate circa 160.000 lettere che sono state inserite in una pavimentazione di una piazza. Donc, sur une place, environ 160.000 lettres qui ont été insérées dans le sol. E queste lettere sono di dimensioni molto diverse perché possono essere lette sia da chi cammina nella piazza sia da chi si trova sopra la torre che si chiama Blackpool Tower. Donc depuis la tour Blackpool Tower, on peut lire certaines de ces lettres puisqu'il y a un jeu d'échelle. Donc ces 160.000 lettres sont de tailles très différentes, ce qui fait que un piéton peut en lire certaines, tandis qu'il faut accéder au sommet de la tour pour en lire d'autres. Poi ci sono appunto anche altri progetti interessanti. Vorrei citarne un altro molto sinteticamente perché è un progetto che si trova vicino a dove abito io, quindi è un progetto veneziano, e anche se in realtà non è proprio del tutto veneziano perché arriva dall'Argentina.
Donc un autre projet est La Touche, puisqu'il il est installé à Venise, où elle habite. Et c'est un projet qui n'est pas complètement vénitien, puisque ce sont des Argentins qui l'ont mis en œuvre, qui en sont les auteurs. Si tratta di un labirinto tipografico realizzato in onore del 25esimo anno dalla morte di Borghese. Donc pour les 25 années de la mort, l'anniversaire de Borges, c'est un labyrinthe typographique qui a été installé. Sì, è stato realizzato con delle siepi di bosso e la sua forma, diciamo, la forma del labirinto si compone della ripetizione per due volte della parola Borges. E esiste già questo labirinto in Argentina. Però è stato riproposto anche in questa isola veneziana che si chiama Isola di San Giorgio. Alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris. C'est un jeu évidemment labyrinthique, donc à deux registres, avec le nom de Borges, donc qui joue sur un système de scala diversa. No, in realtà è uguale, ma si ripete. Ah, donc une répétition de Borges à plusieurs reprises, et c'est installé dans l'île de San Giorgio. Et est-ce que vous pourriez nous décrire le travail, donc l'enseigne et le système de signalétique que Pierre Dissulo avait donc conçu pour le Centre national de la danse, et peut-être nous dire justement selon les typologies que vous avez établies dans le livre, quelle place vous pouvez lui assigner quello che apprezzo e ho apprezzato molto del lavoro di Pier Di Sciullo è che anche ha fatto sì che io volessi approfondirne la ricerca è il fatto che a volte le installazioni tipografiche sono delle architetture che vengono rivestite con delle lettere, ma nel caso invece di Pier Di Sciullo le sue installazioni tipografiche sono uno studio sulle lettere. Donc ce qui lui a particulièrement plu dans le travail de Pierre Deschelot, c'est le fait qu'il ne s'est pas agi simplement d'une architecture qui aurait été revêtue en quelque sorte de typographie, mais que c'est vraiment un dispositif typographique en tant que tel. Et in questo caso il Centro Nazionale della Danza è un ottimo esempio, perché in questo caso appunto la segnalettica esterna è la parola dance e la tipografia riprende un carattere tipografico già disegnato, sempre da Pierre, che si chiama Minimum, però è stato poi riadattato per dare il senso del movimento e il senso comunque della danza. E quindi le lettere hanno subito delle particolari, diciamo, deformazioni e movimenti. Donc c'est une installation, c'est le nom Centre National de la Danse, pour lequel Pierre a utilisé donc un travail qui s'était déjà dessiné, c'est Minimum Bong ou Minimum Ça dépend. Alors je finis juste avec ça, après ça dépend si on parle de l'enseigne ou de la signalétique. Voilà, ce qui a intéressé Anna, c'est le fait de recourir à une police qui était en elle-même une police de caractère original, et que le jeu était de faire danser le mot danse. Et à travers ce travail, donc que l'ensemble soit conçu par le même graphiste artiste. Ce qui était très intéressant pour moi dans ce cas précis, c'est qu'il y avait deux commandes. On m'a passé commande de deux choses simultanément, et c'était une commande structurée d'une façon très intéressante. La première commande, c'était faites-nous une proposition dans le cadre du 1% artistique du bâtiment. L'1% artistique en France, tu vois ce que c'est, quando ho fatto ricerca per il suo progetto, avevo letto. Je trouve que avec le passage de François Barré à la direction des arts plastiques, délégation des arts plastiques en 95, il y a eu la possibilité pour les graphistes d'accéder au 1% artistique. Ça, c'est quelque chose de très important. À partir de là, il y a eu le même problème d'ailleurs qui s'est posé à Champollion. Mais Champollion, c'est comment me rémunérer pour la façade de 1000 lettres. C'est quelque chose, je veux bien parler après. Mais je reste sur la commande du Centre National de la Danse. Donc il y avait la commande de faites-nous une proposition pour requalifier ce bâtiment, parce que c'est un bâtiment qui existait déjà depuis plusieurs années et qui était identifié par les habitants de la ville de Pantin comme étant lié à des souvenirs pas toujours très agréables, puisqu'il y avait un centre d'impôts, un commissariat, un tribunal d'instance
tout d'un coup, ça devient un lieu dédié à la danse contemporaine. Donc, il fallait informer les gens de Pantin et tous les passants que vraiment ça avait changé. Ça, c'est la première commande. Et la deuxième, c'est la commande de la signalétique. Cette fois-ci, c'était une commande publique. Donc, c'est un autre commanditaire mais qui s'est adjointe, toujours le ministère de la Culture qui est à l'origine de ces deux commandes. Et là, la demande, c'était faites une proposition pour la signalétique du bâtiment, c'est-à-dire faire en sorte que les usagers comprennent comment le bâtiment fonctionne et réussissent à vivre dedans. Et je n'avais jamais fait de signalétique, mais j'ai eu le plaisir de découvrir ça de l'intérieur, et ça m'a énormément plu, parce que c'est vraiment le moment où le programme architectural se déploie et va à la rencontre des usagers. Et il y avait également une commande qui était faite à Michelangelo Pistoletto, qui est artiste, pour qu'il propose des mobiliers spécialement pour les danseurs au moment où ils font des pauses entre leurs cours de danse ou leur résidence de création. Bref, pour les gens qui vivent dans le bâtiment, à l'époque on avait encore le droit de fumer dans le bâtiment public, donc il y avait un coin fumoir. Et donc c'est la façon de faire danser l'enseigne danse sur le toit. J'ai proposé tout simplement le mot danse comme un impératif posé sur le toit. Pourquoi sur le toit ? Parce que la façade est extrêmement dense et complexe, la façade dessinée par Jacques Callis, qui est l'architecte de départ. Et j'ai posé une enseigne pour être dans un vocabulaire compatible avec l'histoire industrielle de Pantin. Quand on monte sur le toit, on voit une skyline et on voit des immeubles industriels à l'horizon, avec des enseignes, soit des emplacements qui ont été loués à des grandes entreprises, soit des enseignes, par exemple une grosse enseigne Carrefour, parce qu'il y a un magasin Carrefour en dessous. Et une des particularités de ces enseignes, c'est que la nuit, elles s'éteignent, elles sont comme des poissons morts, comme ça, sans vie. Et le jour, tout d'un coup, quand les consommateurs sont bienvenus, ça s'allume. Et j'ai pensé que déjà, une des particularités d'une enseigne d'un lieu culturel, ça serait qu'elle vit la nuit encore plus, ou autrement, d'une belle vie, et que ce soit un poisson phosphorescent la nuit. Et l'autre chose que j'ai faite, c'est qu'au lieu d'avoir des lettres extrudées, qui est vraiment un élément très récurrent de la signalétique commerciale, c'est-à-dire de la lettre extrudée, si vous voyez ce que c'est que la lettre extrudée, c'est la lettre défoncée en profondeur dans un matériau. Moi, j'ai retiré des faces de côté, ce qui fait que quand on tourne autour de la lettre, le mot devient une sculpture, et l'ombre et la lumière commencent à jouer dans ce mot. Et j'ai fait la même chose d'une autre façon, à l'intérieur d'un signalétique, en utilisant effectivement le minimum bong. J'avais déjà utilisé le minimum, mais là j'ai créé le minimum bing. Parce que le minimum bong, il y avait des problèmes de lisibilité un peu des chiffres, donc j'ai agrandi les chiffres, j'ai retouché, disons, le minimum bong pour faire le minimum bing, qui est le minimum vraiment du centre national de la danse. Tu peux peut-être rappeler que le minimum est un caractère que tu as dessiné avec le minimum depuis longtemps, de avec toutes sortes de, voilà, c'est une variantes. Famille de caractères avec des variations. Au départ, c'était basé sur le fait qu'à l'écran du Macintosh, qui est arrivé en 85, quand on dessinait en bitmap, c'est-à-dire uniquement avec les pixels, c'était plus facile de dessiner des caractères uniquement avec des verticales et des horizontales. C'était aussi pour m'initier au dessin de lettres. Petit à petit, j'ai introduit les obliques, puis plus tard, j'ai eu le courage d'aborder les courbes. Mais à l'époque, je me suis contenté des verticales et des horizontales. Mais j'ai envie de dire des choses peut-être toutes simples. C'est quel intérêt pour moi d'aborder la lettre monumentale ? Quel plaisir il y a à être dans l'architecture ? Et pourquoi faire des choses pérennes ? Enfin, je ne sais pas si tu as envie qu'on aborde ça. Maintenant. Je t'en prie. Voilà. Parce que... Pour dire rapidement, j'ai pas de formation de graphiste, je suis autodidacte et donc j'apprends les choses au fur et à mesure, ce qui me laisse très très libre de l'ordre dans lequel je les aborde. Et j'ai commencé par apprendre le graphisme en faisant cette revue qui résiste et puis en travaillant avec des collègues et en faisant surtout des choses imprimées. Donc en travaillant dans le domaine du livre, en tout cas d'objets avec des pages qu'on tourne. Et puis est venue cette commande incroyable du Centre National de la Danse. La réhabilitation a été confiée à deux architectes qui sont Antoine Trebin et Claire Guyès. Et j'ai découvert avec elles le plaisir d'avoir vraiment un dialogue avec les architectes, d'essayer de lire les bâtiments
avec des architectes. Et j'ai découvert aussi que la question qui m'était posée, c'était non pas comment faire quelque chose qui tienne le coup pendant 3 semaines, mais comment faire une proposition qui tienne le coup pendant très très longtemps. Et là, immédiatement, il y a une contradiction qui se pose, c'est que je suis convaincu qu'on ne peut pas faire de graphisme fiction, que faire de la prospective en graphisme est quelque chose d'extrêmement périlleux. Je me sens en tout cas totalement incapable d'imaginer quel sera le bon graphisme dans 20 ans ou 30 ans. Alors j'espère que le centre installé à la danse existera toujours dans 20 ans ou 30 ans. Enfin, on dira peut-être dans 20 ans que ça sera très vintage, mais... Enfin, c'est déjà vintage, puisqu'on est en 1900... ouais, on est déjà à 12 ans de... Donc c'est... Je ne connais pas le terme vintage avec la base 12, mais... Donc, une des questions posées, c'est comment faire quelque chose qui, au lieu d'être éphémère, soit pérenne. Et surtout, comme tu le disais tout à l'heure, comment faire quelque chose qui ne soit pas de l'ordre du décor. J'avais à cette époque-là une vision extrêmement négative du mot décoratif. Mais je reviendrai peut-être à un autre moment sur cette question, sinon je m'égare en chemin. Mais enfin, c'est quand même aussi une question, quoi. Comment être dans la chair des bâtiments ? C'est ça qui m'intéresse. Comment être dans la chair des bâtiments ? Je pense qu'une intervention enfin, qui m'intéresse dans l'architecture, qui est une intervention qui sait être modeste, mais dans laquelle il y a réellement un jeu de décryptage et d'interprétation à l'intérieur du bâtiment, dans son usage. Et il se passe des choses différentes quand la lettre change d'échelle. Le mot danse, c'est un mot qui est posé à 27 mètres de hauteur, avec des lettres qui font entre 3 et 5 mètres de haut. Et il ne se passe pas du tout la même chose quand on vit ça physiquement, quand on est en bas dans la rue, et qu'on a conscience ou pas la conscience, par exemple, que si cette lettre tombait, ça serait moins drôle que dans un film de Buster Keaton. Enfin, le rapport du corps à l'échelle est quelque chose de très, très, très puissant dans l'architecture. Voilà, j'ai parlé de façon totalement désordonnée. Mais c'est dans votre livre, Anna, c'est, je trouve, une des choses très intéressantes, c'est que vous notez à chaque fois, quand vous avez pu l'identifier, le caractère typographique qui a été employé. Et je me demandais, est-ce que dans la proportion, j'ai pas compté, mais quels sont les cas où les interventions graphiques sont créées à partir d'un caractère comme dans le cas de Pierre, créé par l'artiste ou par le graphiste, et dans quel cas ce sont des caractères existants auxquels on fait appel. Tra l'altro, questo è un dibattito che c'è da moltissimi anni rispetto al modo in cui debbano essere utilizzate le lettere nello spazio pubblico, se debba essere utilizzato un carattere già esistente oppure se debba essere utilizzato un carattere che viene chiamato lettering, che è disegnato ad hoc. Donc ça c'est un débat récurrent, hein. Faut-il dans ces cas de figure intervenir avec création d'une nouvelle police, d'un nouveau type de caractère, ou bien utiliser, adapter des polices déjà existantes? Di solito la critica maggiore che viene fatta a chi utilizza dei caratteri che sono già esistenti è quella che le lettere, ad esempio di un font, sono pensate per essere stampate e per essere stampate a una determinata grandezza, un determinato corpo. Quindi quando noi poi le andiamo a ingrandire, ovviamente le proporzioni non sono più quelle corrette. Dans le cas de recours à une police préexistante, le reproche qui est le plus souvent formulé consiste à dire que cette police a été pensée généralement pour être imprimée sur une feuille et donc en fonction d'une certaine échelle, d'une certaine taille, et que le passage à l'échelle monumentale perturbe ou pose des problèmes et c'est éventuellement un contresens. En tout cas, c'est l'objet d'une critique récurrente. Et tuttavia, secondo me ci sono anche dei progetti che sono riusciti, anche se hanno fatto ricorso a dei caratteri già esistenti, e rispondendo alla domanda di Catherine, credo che siamo circa un 50-50. C'est de l'ordre de moitié-moitié entre les créations de caractères nouveaux, de police nouvelle, et de réutilisation de police déjà existante. Je voulais juste indiquer qu'au moment de l'invention de l'imprimerie, au moment où il y a eu la question de la création des caractères,
Et il y a eu des réflexions fondamentales sur qu'est-ce que étaient les formes des bonnes lettres, comment fallait-il construire les lettres. Et à cette époque-là, il y a eu fréquemment des comparaisons entre les lettres et les bâtiments, ou les lettres et l'architecture. Souvent, les chercheurs de l'époque sont allés chercher dans l'architecture des références pour trouver la façon de construire bien les lettres. Je parle de Geoffroy Torry, de Léonard de Vinci, de Durer, qui à chaque fois sont allés chercher des tracés régulateurs chez Vitruve, avec des grilles qui s'inspiraient directement des tracés régulateurs des architectes. Et dans les années 30, la fonderie de Bernier-Peignot qui a fourni les caractères dans lesquels sont composées les phrases de Paul Valéry au fronton de ces bâtiments proposait des caractères qui pouvaient supporter l'agrandissement et la mise en volume. C'était le cas de ce caractère Peignot qui était dessiné par Cassandre et qui a été utilisé. Et Charles Peignot, qui était donc l'animateur, le directeur de cette fonderie, était très attentif à ça et a fait des différentes interventions publiques où il incitait les dessinateurs de caractères à penser aussi des caractères pour l'échelle monumentale. Et il déplorait que la qualité justement des inscriptions dans la ville ne soit pas à la hauteur de ce que la typographie pouvait produire. Dans ton cas, est-ce que toujours ce sont des caractères que tu as dessinés ? Oui, parce que j'ai besoin de disposer d'outils que je puisse retoucher moi-même. Je vois la même chose chez les graveurs. Par exemple, les graveurs, ils achètent d'un côté les manches et de l'autre les lames, et ils font l'emmanchement eux-mêmes, et ils aiguisent leurs lames exactement d'une certaine façon. Moi, j'ai besoin de la même chose avec la typo. Je viens de réaliser une enseigne pour une fromagerie, parce qu'il y a tout ce champ extraordinaire des enseignes de commerce. Hein, tu parles de la fonderie des Bernier-Peignot, mais également la fonderie Olive, avec le travail magnifique d'Excoffon. Enfin, qui aujourd'hui en tout cas nous ravit quand on regarde les enseignes des vieilles boucheries, charcuteries, etc. Beaucoup les laveries automatiques aussi. Et moi, j'ai le plaisir de commencer à faire quelques enseignes. J'en ai réalisé deux, une pour une galerie associative et maintenant une pour une fromagerie, dans laquelle je me sers de ce travail sur la mosaïque que j'ai fait à Pantin. Oui, j'ai toujours besoin de pouvoir manipuler la lettre et de pouvoir l'adapter, parce que d'ailleurs c'est nécessaire. Même quand je pars de caractères que j'ai déjà dessinés auparavant, j'ai besoin de les retoucher et je crée finalement encore un nouveau caractère. Je le fais évoluer, je le reprends. Et pour le mémorial de Notre-Dame de Lorette, qui est donc un autre des projets réalisés avec des architectes dans l'espace public. Oui, alors là, c'est un projet totalement hors norme, tout à fait exceptionnel. Donc l'architecte s'appelle Philippe Prost. Et nous avons gagné le concours pour ce monument de mémoire qui est juste en face de la nécropole de Notre-Dame de Lorette, qui est le plus grand cimetière militaire français. Et là, la demande de la région, c'était d'y faire figurer les noms de 600 000 soldats qui sont morts entre 1914 et 1918 sur le sol de la région du Nord-Pas-de-Calais. 600 000, ça fait les noms de 600 000 soldats, mais 600 000 en comprenant les noms de tous les belligérants, des soldats de tous les pays, des ennemis d'hier, tous rassemblés dans l'ordre alphabétique strict. C'est donc une demande politique très claire et très, très forte, qu'il n'y ait aucune indication ni de nationalité, ni même d'armée. Et donc les Anglais, les Allemands, les Français et tous les alliés et les pays dits des colonies de ces différents pays, tous les noms de ces soldats, tous ensemble sur ce bâtiment. Ça fait... Donc, pour ma part, j'ai travaillé avec l'architecte sur la situation de lecture que ça consistait à créer. Comment faire pour permettre aux gens de trouver, aux visiteurs de trouver en quelques minutes le nom d'un ancêtre. Et comment faire aussi pour qu'ils puissent se recueillir, mais ne pas être terrassés par l'angoisse qui, moi, personnellement, me saisissait au début du projet. Quand je voyais cette liste interminable de noms... avec quelquefois, pour certains noms, des centaines, des milliers de synonymes. Il y a environ 3500 soldats qui s'appellent Smith sur ce monument. 3500, oui, plus de 3500. Par moments, ça prend des tournures absolument incroyables, tout à fait étonnantes. Il y a 72 James Bond.
Il y a des choses très très étranges, très curieuses. J'ai appris beaucoup. Alors, mon travail a consisté donc à penser le système de lecture et aussi à dessiner un caractère spécifique qui devait chasser très peu. La chasse, c'est le terme chez les typographes pour dire la largeur d'une lettre, l'occupation que prend la lettre. Il fallait que le texte chasse très très peu. Et en même temps, je voulais que les lettres ne soient pas étouffées comme des sardines dans une boîte, enfin, qu'il y ait de la place, et de la place pour penser. Que ce soit une lecture qui soit ouverte vers le futur. Moi, ce qui me frappe dans le travail de Pierre, c'est la capacité ou la commande qui est passée à l'artiste de s'adapter à des situations tellement différentes. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, graver 600 000 noms dans un mémorial, donc ça veut dire 10 fois le mémorial de Washington aux morts américains au Vietnam. Donc, c'est démesuré. Et puis, évidemment, c'est glaçant. Et d'un autre côté, des interventions dans lesquelles finalement on lui demande de danser pour dire c'est plus les impôts ici, venez-y. Et puis, par le projet donc, que tu vas développer de composteur d'adresses prédictives, qui est pour le coup un jeu, c'est-à-dire la capacité du même artiste à signaler un effroi, une trace, la complexité de cette mémoire de la Première Guerre. Et d'un autre côté, à inviter, en l'occurrence, dans le dispositif qu'on avait imaginé, c'était sur le trottoir, c'est-à-dire à l'extérieur d'un espace culturel, donc accessible nuit et jour à tous les passants, y compris ceux qui ne savent même pas qu'il y a un espace d'art contemporain, et leur permettre de jouer avec des lettres pour s'inventer des adresses poétiques. Et donc tu disais que tu aimais jouer, et je pense que c'est pas un hasard, c'est... on sent même que parfois tu as envie d'emmener les autres dans ta pratique du jeu. Oui, c'est vrai que c'est une des joies du métier de graphiste, c'est de découvrir des situations totalement différentes et proprement inimaginables. Avant cette commande de Notre-Dame de Lorette, je n'avais même pas réalisé que les cimetières faisaient partie de l'espace public. Alors que j'allais dans les cimetières, comme tout le monde, de temps à autre. Mais penser tout d'un coup à un lieu de mémoire avec les noms de 600 000 personnes mortes comme un lieu de l'espace public, parce que c'est ça évidemment le lien entre tous les projets que tu as décrits, c'est que c'est l'espace public, alors que l'espace privé est très intéressant également, mais ce qui m'intéresse moi dans l'espace public, c'est que d'abord c'est qu'il est gratuit, enfin oui, j'espère que ça va rester pour longtemps, et c'est un lieu de partage, de confrontation. Alors je me donne plusieurs règles, plusieurs principes que j'essaye de suivre, c'est d'avoir une grande simplicité, je veux dire par là que les projets puissent être accessibles, sans qu'il y ait besoin que quelqu'un soit à côté de vous pour vous expliquer ce qu'il faut comprendre. Ou sans qu'il y ait sans initiation préalable. Ce qui n'est pas évident, c'est pas toujours évident. Et ensuite, que ça crée une situation de lecture intéressante. Or, comme tu le disais tout à l'heure, on est saturé de lecture dans la ville. On est submergé de signes, on est dans du flux. Et j'essaye, moi, de non pas de m'extraire du flux, mais de le mettre à distance. Le fait est que je réponds à l'exigence d'une certaine économie, parce que à Notre-Dame de Lorette, je fais en sorte que les gens puissent trouver le nom d'un ancêtre en 5 minutes, mais les gens restent des heures. Ils restent des heures dans cet espace, ce qui montre qu'en tout cas, pour ce qui est de l'angoisse, sinon, tu as une distance, enfin, c'est de l'ordre tellement de l'intime. Mais je crois que c'est un lieu dans lequel il y a une belle possibilité de lecture. Anna, je crois que vous êtes graphiste vous-même. Est-ce que vous avez l'occasion de réaliser des projets dans l'espace public et des projets d'inscription? Diciamo non ancora, ma mi piacerebbe. Vous aurez compris, pas encore, mais elle ne demande que cela. Moi, excusez-moi, ce que je n'ai pas compris, c'est est-ce que tu vas faire une édition augmentée ou est-ce que tu vas faire un tome 2 Magari anche questo, magari anche il tomo 2, perché no? Pourquoi pas, avis aux éditeurs.
Mais il y a suffisamment de matière, sans baisser ou changer les critères, il y a suffisamment de renouvellement. Allora, sicuramente il materiale, cioè nel senso, bisogna cercarlo bene, organizzarlo, però è possibile fare un volume 2, sicuramente. Diciamo che poi il problema è più, diciamo, a livello organizzativo di lavoro, è trovare un editore che è disposto a pubblicare un sequel, diciamo. Donc oui, le problème n'est pas de trouver les œuvres et les réalisations qui sont nombreuses, à condition qu'on sache les chercher, mais c'est effectivement de trouver plutôt l'éditeur pour accueillir un tel projet. J'imagine qu'il serait aussi intéressant, quelques années après, il faut peut-être un certain laps de temps, mais au bout de 10 ans ou 20 ans, de revoir les mêmes projets, de voir dans quel état ils sont, s'ils existent toujours, et s'ils ont été transformés aussi, parce que souvent ce sont des choses qui arrivent. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que vous suivez les exemples que vous avez retenus les... Ci sono stati dei casi in cui le installazioni sono state cambiate, in particolare un'installazione per un'area di Londra, in cui sono stati progettati dei cancelli tipografici che riportavano la parola Bankside, e di questi quattro cancelli, due sono stati, uno è stato rubato e uno è stato prima cambiato perché erano delle lettere di specchio e sono state rubate, e invece un altro pare che sia intervenuto prima Banksy, che ha modificato il lettering e poi è stato coperto interamente. Cancello nel senso cancello? No, cancello tipografico è come se fosse, diciamo, delle lettere e quindi una tipografia che introduce a questo quartiere, perché questo quartiere, diciamo, ha avuto un nome nuovo successivamente, quindi era importante riuscire a far capire che si trattava di quell'area lì. Donc oui, elle a en tête un cas à Londres dans lequel elle parle d'un portail, mais d'un portail d'accueil, de bienvenue pour introduire dans le quartier, et dans lequel donc il y a des, comme les lettres étaient faites en miroir, c'est ça? Elle en dispecte. Et donc, bah, il y a eu des vols, il y a eu des disparitions. Donc, c'est un cas de transformation, mais qui renvoie d'ailleurs, pardon, là, je sors de là, qui renvoie quand même, enfin, ce qu'on voit très fréquemment, en particulier en termes de, enfin, sur les magasins, ce sont des lettres tombées, des lettres manquantes qui ont tellement de charme d'ailleurs. Donc, finalement, il y a une logique dans cette continuité. Il y a quelque chose que j'adore particulièrement sur le périphérique, c'est les enseignes. Qui ne sont plus en fonction. On a retiré les lettres, mais il reste la grille à l'arrière. J'ai essayé plusieurs fois de dessiner un projet comme ça, mais il faudrait que je le fasse, ce projet, puis je le défasse pour y arriver. C'est-à-dire en prévoyant l'obsolescence et la décadence et Non, en faisant une lettre qui est dessinée comme ce qu'on met à l'arrière des lettres. Donc j'ai essayé de faire un projet pour le Stedelijk Museum, comme ça. Et donc j'ai été viré. En fait, c'était la réponse. Il ne faut pas passer derrière la page. Faut pas... non, le recto va bien, mais on ne veut pas dangereux. De verso. Ça, on n'en a pas parlé, mais par exemple, dans l'exposition, c'est quelque chose moi auquel je tenais, c'est l'univers de la bande dessinée, qui me semble particulièrement créatif aujourd'hui, et qui s'empare beaucoup, évidemment, par nature, de la question de l'interaction entre l'image et le texte, et qui joue beaucoup sur des dispositifs liés au livre. Il y avait Chris Ware, notamment. Chris Ware, par exemple. Et Chris Ware, j'avais pris... Dans le Building Stories qu'il a publié, le dernier qu'on connaisse en tout cas en France, qui est une espèce de repas sans fin dans lequel il y a tout, il y a l'entrée, le plat, le complément, le hors d'œuvre, donc il y a des livres, des tables de jeu, des banderoles, des affiches, et il avait fait entre autres une petite bande, au sens vraiment de bande dessinée, une bande avec un certain nombre d'images, mais c'était en recto verso. Et le recto verso, c'était en fait le champ et le contre-champ de ce que l'on voit dans une ville. Donc il y avait un personnage, et sur une case, on voyait cette femme qui est son héroïne, on la voyait de derrière, la caméra était placée derrière, on la voyait donc de dos, et on voyait la ville, qui est une sorte de pseudo-Chicago, qu'elle-même voyait. Et au verso, c'était la même chose, mais avec la caméra placée face à elle, donc on la voyait exactement dans la même posture, mais de face, et on voyait cette fois les immeubles qui étaient dans son dos. Et on avait fait imprimer ça en grand, avec l'accord évidemment de l'auteur, et on l'avait installé dans un couloir, et l'objectif était de faire en sorte que les visiteurs soient un peu énervés,
et se disent « Mais quel est l'idiot qui a pensé à ça ?» Il n'a pas compris qu'on ne pouvait pas voir les deux en même temps. Et c'était précisément ça, puisqu'il me semble que Chris Ware, par là, montre que une des caractéristiques de la ville, c'est l'incapacité où nous sommes de la saisir dans son ensemble. Et qu'il y a toujours, par définition, des éléments qui nous échappent, des écrans qui cachent d'autres écrans, et ainsi de suite. Et donc là, il y a ce travail sur le recto et le verso, c'est-à-dire nous sommes dans des pages très fines, et on ne peut pas, par définition, voir le recto et le verso simultanément. Donc il y a cette complexité, effectivement, de la bande dessinée. Alors j'ai l'impression qu'il est l'heure de passer à l'étape traditionnelle de ces conversations qui consiste à demander aux invités de présenter les ouvrages qu'ils ont choisis. Mais je ne sais pas si tout le monde a bien fait son devoir à la maison. Et je crois que Anna, en tout cas, avait choisi un livre. Est-ce que vous voulez présenter vos choix ? Oui, enfin, moi je fais une petite entorse au règlement. Parce que donc le règlement, c'est de choisir un ouvrage dans le fond de la bibliothèque, ce qui est logique, la bibliothèque oui, qui nous accueille. Mais comme j'ai fait un composteur d'adresses prédictives, je peux faire un choix prédictif des livres que la bibliothèque va acquérir. Parce que c'est deux très beaux livres. Le premier que je suis en train de lire, c'est Poésie du Gérondif de Jean-Pierre Minaudier, vagabondage linguistique d'un passionné de peuple et de mots. C'est un collectionneur de grammaire, c'est un monsieur qui collectionne les grammaires et qui nous propose de voyager avec lui dans ses grammaires, dans les langues. Et j'ai noté un tout petit peu, je suis juste en train de découvrir ce livre, Comment faire Marga, qui est ici. Je remercie beaucoup. Et je vous lis juste quelques phrases. Plus surprenant, certaines langues d'Amazonie, comme le punoave de Colombie, apparentées au hup, le Galibi du Venezuela, le Do et le Waiwai du Brésil possèdent la catégorie du passé non seulement pour les verbes, mais aussi pour les noms. Un élément, souvent un suffixe, permet d'indiquer que l'être ou l'objet désigné est mort, abîmé ou inutilisable, appartient au monde du passé, etc. Je crois que tu avais un autre, livre. Magnifique livre sur Guy de Cointet, sa vie, son œuvre, édité aux éditions Flammarion. L'auteur, c'est Frédéric Paul. Le graphisme est fait par David Poulard. C'est un livre que je suis en train de lire et que je trouve magnifique et passionnant. Voilà. Et il y a un jeu. Il se trouve que j'ai dessiné un caractère sur le même principe en vue d'une intervention dans un immeuble et que je suis passé encore l'autre jour devant un immeuble dans la façade et travaillé exactement sur ce principe, inspiré du Morse, donc je vais le tenir à bout de bras. Ce qui est terrible, c'est que je monte un travail sans le comprendre vraiment, mais voilà. Quelle est cette œuvre ? C'est dans quel contexte ? Alors l'auteur étant dans le public. Merci. Ce que tu viens de montrer, Pierre, c'est un journal qu'a réalisé Guy de Cointet au tout début de sa carrière d'artiste, qui était très courte et très tardive. Et qui est en quelque sorte sa pierre de Rosette. Mais une pierre de Rosette qui n'a été décryptée par personne. Et tous les dessins qu'il réalisa ensuite sont des dessins qui utilisent des principes d'encryptage. Et je crois que le but de Guy de Cointet n'est certainement pas de cacher des messages. Son but était de concevoir une œuvre. Et je crois que les chercheurs de clés sont parfois vraiment obsédés par les clés et non pas par les questions. Mmh. Avis à tous les obsédés du déchiffrage de l'œuvre de Perec, par exemple. Guillaume, quel... Alors, vous n'avez pas de chance ce soir, parce que moi aussi je suis un mauvais élève, et donc il semble que j'ai triché. J'ai choisi un livre dont le...
qui rôde dans la bibliothèque, mais qui je n'ai pas vérifié, mais bon, peut-être qu'il n'y est pas en effet, parce que c'est un livre. Si on parie qu'il y est. Un grand classique. C'est La recherche du temps perdu, dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que, bon, non seulement, effectivement, c'est la quintessence d'un livre écrit par un urbain. Enfin, c'est difficile d'avoir plus urbain que Proust, même si c'est un livre qui parle beaucoup de la campagne et du rêve et du fantasme de campagne. Mais en plus, c'est tout ce qui revient de façon récurrente dans sa correspondance de la grande métaphore de la cathédrale. C'est l'idée sur laquelle, comme le livre a été publié sur un grand nombre d'années, beaucoup de gens au début se sont dit « bon, c'est encore un amateur de Marquise, c'est de la petite anecdote, Gide n'a rien compris, etc. » Et lui disait « mais ils ne peuvent pas encore comprendre la structure, l'aspect architectonique de l'ensemble. Mon livre, dit-il explicitement, est comme une cathédrale. » Et donc c'est vraiment le projet d'un grand architecte. Et comme effectivement Proust a une certaine place dans la littérature, enfin qu'il a, il y a avant et après quand même, l'architecture du coup devient un élément fondateur de cette nouvelle conception de la littérature. J'irai vérifier, je ne sais pas si le livre y est, mais c'est tout comme. Merci. Et Anna, vous avez donc choisi un ouvrage que vous avez apporté en italien, mais qui existe certainement en français à la bibliothèque. Tra l'altro è qualcosa di cui abbiamo quasi non proprio parlato ma accennato prima, no? Quando si parlava del decorativo e del decorativo anche nelle lettere. Alors il s'agit d'un thème qu'on a évoqué tout à l'heure en parlant d'un aspect éventuellement décoratif dans les lettres. E ho scelto questo libro perché per due ragioni. La prima ragione è una ragione sentimentale, nel senso che è stato uno dei primi libri che ho studiato all'università, quando ancora non sapevo che avrei poi studiato tipografia e quando studiavo architettura e basta. Posso citare il libro? Ah certo, sì. Donc c'est Adolf Loos, Parole dans le vide. Donc la première raison, c'est que c'est un livre qui l'a particulièrement marqué quand elle a fait ses études. Sì. Quando facevo architettura, ancora non sapevo che mi sarei poi appassionata di tipografia. Avant de découvrir son intérêt pour la typographie, elle étudiait l'architecture et donc ça a été une grande passion. E la seconda ragione è perché all'interno di questo libro si parla anche di tipografi e si parla anche di una, diciamo, presunta supremazia delle lettere tridimensionali su quelle invece stampate, quindi bidimensionali. Donc la deuxième raison, c'est qu'il y a une partie du livre qui traite des typographes et il est question d'une supériorité ou d'une suprématie des lettres tridimensionnelles sur les lettres qui ne seraient que imprimées et bidimensionnelles. Non so se si possa leggere una... La leggo poi tu la traduci. Okay. Qui c'è una sedia. Questa sedia è un prodotto artistico. Se la dipingo... La sedia dipinta non è che la riproduzione di questo prodotto artistico, quindi un'opera d'arte di secondo grado. On aurait dû prendre le bouquin dans la bibliothèque puisqu'il y est. Hein. Bon, voilà un siège. Ce siège est un produit artistique. Si je le peins, le siège peint n'est que la reproduction de ce produit artistique. Donc c'est une œuvre d'art dégradée. Possiamo applicare lo stesso criterio alle lettere dell'alfabeto? E le lettere possono essere scolpite nella pietra, fruse nel bronzo, scritte a penna. Con l'aiuto di luce e ombra e prospettiva si possono riportare sulla carta le lettere di pietra e di bronzo. Si tratta però soltanto di una riproduzione e non delle lettere stesse. On peut appliquer ce même critère initial aux lettres de l'alphabet. Les lettres peuvent être sculptées de pierre, elles peuvent être fondues en bronze ou on peut les écrire à la main avec grâce à la lumière et à l'ombre. Et à la perspective, on peut recopier sur du papier les lettres de pierre et de bronze. Pourtant, il ne s'agira que d'une simple reproduction et pas des lettres elles-mêmes. Les lettres sur le papier ont une autre dimension que celle de l'encre sur le papier. Merci. Alors, est-ce que vous avez, on va donner aussi la parole au public, est-ce que vous avez
des choses à ajouter les uns ou les autres, ou des questions à vous poser mutuellement avant d'ouvrir la conversation plus largement, ou on le fait maintenant. Donc on peut passer les micros. Donc je suis italien, donc j'espère ne faire pas trop d'erreurs, mais je connais Anna Saccagni parce que j'ai trouvé son livre dans la bibliothèque de Rennes, j'habite à Rennes, et j'étais étonnée parce que je suis italienne, je ne connais pas le travail d'Anna, parce que j'étais très contente d'avoir la possibilité de voir ce livre, et aussi parce que j'avais fait un petit essai, vraiment un petit essai, étudiant le même argument de la part d'un architecte. Je suis architecte, donc c'est ça. Et je suis vraiment contente aussi d'avoir la possibilité de sentir, de savoir que monsieur Louis a eu la possibilité de travailler avec les architectes, parce qu'un problème, c'est ça, c'est la liaison entre l'esthétique de l'architecture et l'esthétique de la typographie, et aussi les problèmes de codifier du code, des différents systèmes de l'esthétique et du code de lecture de l'architecture et de l'écriture. Ça, c'est le problème. Aussi, la grandeur, la dimension, etc. Mais c'est le système de vivre une œuvre d'architecture avec le corps entier, et ainsi délire quelque chose, et ça, c'est la chose qui plus m'intéresse. Et pour demander quelque chose, je ne sais pas, c'est aussi pour Anna, ça c'est un argument important ou non. Si, sicuramente è importante capire in che modo possono interagire le lettere e l'architettura, perché un prodotto e un progetto è riuscito nel momento in cui diciamo c'è una coesione tra le parti e si riesce a vivere assieme, a vivere bene assieme. Quindi un'architettura o si trasforma in lettera oppure può vivere serenamente con una buona tipografia progettata per quell'architettura. Donc elle partage effectivement pleinement ce questionnement et cette sensibilité, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait une cohésion, voire un peu plus, que l'architecture produise des lettres, mais il faut avant tout qu'il y ait une cohésion et il faut viser cet équilibre. Et vous savez aussi qu'il y a des lettres dans le paysage, mais elles sont des énormes lettres qui sont écrites. Il y a un que c'est incroyable à Rome, il y a une colline. Et il y a encore l'écriture d'Ux. C'est incroyable. Ma l'ho visto dal vivo 2 anni fa, è incredibile. C'est incredibile. Hanno praticamente disboscato una montagna, ovviamente in epoca fascista, per far emergere la scritta d'Ux. Et si vede ancora. On peut voir encore aujourd'hui ce qui a été pratiqué sous le fascisme, c'est-à-dire l'inscription échelle 1. Dans une colline en déforestation pour écrire les paroles Dux, c'est-à-dire Duce. Bonsoir à tous, excusez-moi de mon français, mais je crois que je me fais comprendre. Je voulais vous proposer une petite provocation. Si vous pensez, si on peut parler d'une limite de la typographie dans l'architecture, dans la ville, où elle est, comment dire, la limite entre la typographie dans l'architecture, dans la ville, et la pollution visuelle. Ça, c'est, oui, c'est une question intéressante. Il y a un peu de
dans l'histoire, en tout cas au XXe siècle, il y a deux axes. L'axe, effectivement, qui considère l'écrit dans la ville sous cet angle de la pollution et d'une hygiène éventuelle qu'il faudrait instaurer. Et puis ceux qui s'intéressent, et ça c'est une chose dont on a peu parlé, mais qui s'intéressent à ce qui apparaît et qui... Un certain nombre et de typographes et d'architectes prennent la ville comme elle se présente et certains dessinateurs de caractère s'inspirent, comme ça peut arriver à Pierre de le faire, de ce qu'on peut trouver, de ce qu'on appelle le vernaculaire dans le domaine du graphisme. On emprunte ce terme qui vient de l'architecture et on parle beaucoup de graphisme vernaculaire. Est-ce que vous avez, Anna, précisément dans vos projets, vous n'avez retenu que des exemples d'auteurs et comment vous envisagez cette question de la pollution visuelle par une certaine anarchie, peut-être. Et io credo che ci sia sempre spazio per la tipografia nella città. E credo anche che un buon progetto non faccia parte dell'inquinamento visivo e di messaggi che possiamo avere. Anzi, io credo che un buon progetto sia come una boccata di aria fresca in mezzo magari allo smog. Un buon progetto c'est comme un peu d'air frais au lieu du smog qui nous encombre. Donc il y a toujours de la place pour un bon projet graphique. En tout cas, c'est un optimisme, une pétition de principe en quelque sorte d'Anna à cet égard. Il y a une autre, oui. Parmi les foules de choses dont on n'a pas parlé, il y a un autre élément entre le trop et le moins. Il y a l'étrangeté ou l'étrangement. Il y a un artiste qui s'appelle Nigel Peak, celui qui est en couverture de Villissima, qui a écrit un petit texte dans lequel, comme il circule beaucoup entre plusieurs pays, et il dit en fait, je reconnais que je ne suis pas chez moi quand finalement je ne reconnais pas les écritures dans l'espace public. Je peux les comprendre, mais la question de la familiarité est importante. Et donc, je ne saurais pas décrire une typographie, je sais juste reconnaître que je n'y suis pas habitué. Et donc, à ce moment-là, la typographie devient un autre élément. C'est ni une question d'hygiène par soustraction, ni de la pollution par surabondance. C'est une question d'identité, évidemment, et d'altérité, quoi. C'est le marqueur du fait que je ne suis pas tout à fait chez moi, ce qui est d'ailleurs parfois très plaisant, mais c'est... Une autre ligne de force. Pierre, tu te situes où du côté, des observateurs de la pollution ou des... Je pense à tellement de choses en vous écoutant que je ne sais pas par où commencer, mais pour répondre à cette question, cette provocation que disait monsieur, moi je ne fais pas partie de ceux qui ont envie de tout recouvrir, d'écrire tout, de recouvrir toutes les surfaces. Je n'ai pas l'obsession de m'exprimer partout dès que j'en ai la possibilité, de saturer l'espace. J'essaye de dire quelque chose d'intéressant à un endroit juste, si possible. Et je pense beaucoup aux usagers. Je pense qu'un usager, c'est quelqu'un qui, dans la ville, un citadin, c'est quelqu'un qui passe, qui repasse encore. Et je pense à là une réalisation que j'ai faite qui n'est pas faite avec un architecte, mais pour le tramway de Brest, j'ai posé 115 panneaux tous écrits avec les lettres du mot recouvrance. Et ça fait des phrases, des mots. Et j'ai beaucoup pensé aux gens qui prennent le tramway, puisque c'est le long du tramway, qui les prennent jour et nuit, matin et soir, pour qu'ils trouvent avec uniquement ce jeu fait avec, à partir d'un seul mot, de quelques lettres, toujours matière à inventer, à continuer, et pour qu'aussi ceux que ça fatigue ou que ça n'intéresse pas du tout puissent vivre une certaine familiarité et que ça fasse partie de l'environnement d'une façon bienveillante. Maintenant, c'est aux usagers qu'il faut poser la question pour savoir si c'est réussi. J'ajouterais qu'il m'arrive, devant certaines réalisations, de trouver qu'il y a un basculement pas toujours heureux d'un projet qui peut être un projet de marquage éphémère et qui, malheureusement, est inscrit de façon pérenne sur un bâtiment. Il m'arrive rarement de penser qu'il y a un bâtiment avec une façade magnifique qui devrait recevoir quelque chose de plus en écrit. Ça, je l'éprouve rarement. Par exemple,
J'étais devant un bâtiment d'Herzog et de Meuron à Bâle, où il y a uniquement le nombre. C'est un opéra. Il y a juste un afficheur. Je ne me souviens plus ce que dit cet afficheur, même pas le nom de cet opéra. Le nom du spectacle qui va avoir lieu et ça suffit. C'est simplement. J'ai peut-être rêvé cette chose-là, finalement. Ça vous dit quelque chose? Un opéra d'Herzog et de Meuron à Bâle? Un transformateur, bah c'est ça. Oui. La plus remarquable et la plus modeste, sans doute, c'est un poste d'aiguillage. Ce qu'il n'y a rien d'écrit. Comment? Il n'y a rien d'écrit sur ce poste d'aiguillage. J'ai un petit doute. Enfin bon, voilà, c'était ma forme de réponse. De par le fait de l'inscription dans l'espace public, les différents projets qui sont présentés, qui sont dans ces livres, sont des projets qui ont fait l'objet d'une commande publique, donc déjà d'une prise de conscience, enfin d'une volonté publique d'écriture, de travailler la lettre dans l'espace public. Ensuite, on a un deuxième espace de lettrage qui est ce qu'on peut appeler le vernaculaire, donc toute la signalétique, la production technique, commerciale, etc. Est-ce qu'il y a des choses entre les deux, c'est-à-dire des artistes peut-être qui prennent place dans l'espace public à travers l'écriture, et est-ce qu'ils racontent autre chose, une histoire, enfin... Est-ce qu'ils s'en servent pour dire d'autres choses? Vous voulez dire sans commande? Voilà, sans commande. Voilà, ouais, sans commande. Peut-être sauvage ou voilà, c'est. Alors, je ne sais pas si ça répond exactement à ce que vous dites, parce que je ne sais pas s'il s'agit d'artistes, mais en tout cas, il y a un domaine énormissime qui est celui du graffiti. Et par exemple, en 2017, le Centre des Monuments Nationaux, dans l'ensemble des monuments de son ressort, va avoir une thématique qui porte sur les graffitis. Et on s'attend tous à ce qu'on dise, dans les monuments nationaux, pas de graffitis, attention, et puis s'il y en a, on les efface. Et là, c'est au contraire un équilibre très difficile. Moi, je sais que je travaille sur le château d'If, où là, il y a une culture du graffiti qui est extraordinaire, mais dans laquelle il y a encore des graffitis qui sont faits tous les jours. Donc, est-ce que nous sommes tous artistes? Ça, je ne vais pas entrer dans ce terrain-là, mais il est évident qu'il y a beaucoup d'écriture dans l'espace public, qui peut être une écriture à la va-vite, une écriture à la main, une écriture bombée, une écriture parfois sculptée. Hein, les prisonniers politiques de 1848 dans la cour du château d'If, c'est vraiment sculpté, c'est dans la chair de la pierre. Donc il y a tout ça. Là, c'est un grand champ dont nous n'avons pas parlé, effectivement, ce soir. Et puis il y a aussi toutes les inscriptions en souvenir de... des personnes victimes d'attentats, par exemple, Place de la République, tout ce qui était écrit par les New-Yorkais au moment des attentats de septembre 2001, etc. Et alors, moi, j'avais une petite question très bête, c'est une question que je me pose depuis très longtemps. Quel est le mot qui est le plus inscrit dans l'espace public en France? Interdit. Je ne sais pas, moi je me suis demandé si c'était pas Pont-à-Mousson. Je me suis demandé si c'était pas Pont-à-Mousson. Peut-être. Avec les bouches d'égout. Est-ce que quelqu'un s'est un jour posé cette question et si quelqu'un a une réponse, je suis preneuse. Qu'est-ce qu'on peut écrire avec Pont-à-Mousson? On pourrait faire un sondage. Avec Pont-à-Mousson, on peut faire plus de calembours qu'avec Interdit, ceci dit. Oui. Pont-à-Mousson, sous ma ponton, sous ma pontou. Sous mon petit pont. C'est une question difficile parce que, en plus, ces inscriptions sont partout, au sol, aux façades, dans les recoins aussi des bâtiments. Enfin, donc, si on prend en compte l'ensemble des inscriptions susceptibles d'être lues. Le champ est extrêmement vaste. Oui. Anna propose rue. Oui. Alors, rue, peut-être. Peut-être. Une proposition intéressante. Café. 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 Café.
café. Bon, je propose que nous pouvons nous transformer en comité d'enquête. Et... Oui, qu'on ait une démarche un peu systématique sur un quartier. De plus de 5 000 habitants, mais de moins de 7 000, ça sera le mot fleuriste et banque. Banque, pharmacie. J'ai une autre question du même type. Ah, merci. C'est la présence que je trouve très étonnante en Italie du néon. C'est quelque chose de très spécifique, je trouve. Lorsqu'on marche sous les arcades de Turin ou autres, on est assailli par des néons et je trouve que ça n'a pas ça n'a pas d'équivalent dans d'autres pays. Oui, des lettres en néon. Pourquoi ? Je me pose toujours la question. Je pense qu'il y a eu beaucoup de néons à Paris, par exemple, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Dans les années 30, notamment. En Italie, chaque ville a une sorte de loi, de code. Et donc, à Rome, théoriquement, c'est interdit en centre-ville. Donc, à Rome, en centre-ville, il n'y a pas de néon. Mais il y a des autres villes, comme Turin, où il y a vraiment une tradition de la lumière. Les Romains qui ne peuvent pas écrire en néon à Rome font file dans les villes voisines. Pardon. Mais est-ce que c'est pas parce que le vivier des artisans est plus vivant en Italie qu'en France ? Parce que pour trouver un artisan néoniste, il faut chercher. Il y a un livre de Philippe Artière sur les enseignes lumineuses où il raconte un peu l'histoire du néon, de son apparition, de son invention par un Français du reste, et de son déploiement dans le monde. Et lui, son hypothèse est que le néon disparaît au profit des LED parce que le néon suppose une maintenance, c'est plus dangereux, donc on préfère dans l'espace public les LED qui seraient plus sûrs et qui demanderaient moins de maintenance. Mais effectivement, les villes ont été, dans les années 30 en particulier, absolument la nuit illuminée par les néons. Et aussi bien Paris que Berlin, que New York. Mais aujourd'hui, le néon tend à disparaître. Alors peut-être qu'il reste plus... Je crois que ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui d'utiliser le néon, mais peut-être que dans certaines villes, il reste, tu as raison, des artisans. Moi, j'ai eu une anecdote sur le néon. Le mot danse, la nuit, est éclairé par un néon qui est à l'intérieur, dans les replis. Et au bout de 2-3 ans, la lumière a commencé à baisser de façon très, très étonnante. J'étais très, très surpris de ça. Et en me rendant sur place, en parlant avec le secrétaire général du Centre national de la danse, il m'a dit que c'était eux qui avaient baissé le niveau de consommation électrique pour faire des économies, et que c'est pour ça que le néon paraissait si pâle. D'autres questions ? Oui, une question là-bas. Oui, monsieur de Saint-Jean, vous avez, dans votre introduction, vous avez dit, si j'ai bien compris, que, en fait, ou bien la conversation, ou bien votre ouvrage, ou les deux, je ne sais pas, n'allez pas prendre le graphisme et l'écriture sur le plan de la métaphore. Donc, il ne s'agissait pas de réfléchir à lire la ville sans parler des lettres ou des mots. Et dans votre ouvrage, en le feuilletant, à la page 94, il y a pourtant un texte qui m'a frappé et qui s'intitule « Éduquer le regard ». Et la question que je voulais vous poser à vous, et peut-être aussi à vous, Anna et à Pierre, c'est qu'est-ce qui, pour vous, dans les propositions actuelles, dans l'urbanisme et dans l'architecture, tend à éduquer le regard, à éduquer le regard dans le sens porter un regard, faire que on va vers poser un regard vivant qui nous fait plus, qui donne une intensité de vie, parce que peut-être c'est un des problèmes de l'urbanisme contemporain, c'est la tendance à uniformiser les choses et finalement à écraser les personnes.
Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, dans les propositions, peut-être pas actuelles, mais dans les 10 dernières ou 20 dernières années, va dans une bonne direction d'une éducation dans le regard, du regard qui donne une intensité de vie aux personnes qui vivent dans la ville? Alors, comme les minutes sont comptées, je vous répondrai après, si vous voulez bien, au fait qu'on n'échappe pas aux métaphores. Moi, j'ai été très frappé, par exemple, j'habite Marseille, et j'ai eu l'occasion de marcher dans la ville avec des graphistes, et j'ai découvert la ville que je croyais connaître. Donc j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas Roger Excoffon, je n'avais pas repéré le Mistral en tant que police, et là, j'ai été, moi, éduqué, et on vit mieux. Et c'est plus jouissif et on connaît mieux sa ville. Donc c'est un peu plus ancien, vous aviez dit 10, 20 ans, c'est quoi, 50 le Mistral, ça doit être les années 50. Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est pas un artiste tout récent, mais c'est, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Par exemple, notre éducation au graphisme est quand même très pauvre, et c'est un enseignant qui parle, hein, vraiment. Et donc, moi, je n'ai pas d'éducation. Pierre prétend être autodidacte, dit qu'il l'aime. Mais alors, qu'est-ce que la plupart d'entre nous, on n'a pas cette culture. Comment faire pour arriver simplement à lire ces éléments-là? Et effectivement, on a un autre regard une fois qu'on est passé par là. Je ne sais pas ce que tu veux. Je suis incapable de répondre à cette question. Est-ce que l'éducation du regard s'améliore? Est-ce qu'il y a un progrès? Moi, je crois que c'est ce qu'on veut croire quand on construit des projets, comme j'essaie de le faire, d'y contribuer, mais que l'univers a toujours plus de chaos et de complexité en même temps. C'est quand même frappant quand on travaille dans l'espace public, c'est les contraintes terribles auxquelles on est soumis immédiatement, les contraintes réglementaires, l'espace, le vandalisme, des tas de choses qui viennent rendre toute intervention dans l'espace public extrêmement compliquée. Et je ne sais pas du tout si le regard s'en trouve éduqué. Par contre, ce que je sais, c'est que quand je me promène avec un ami typographe dans la ville, ça donne des conversations assez étranges. Je me souviens d'une promenade dans Rome avec Étienne Robial. Et on était avec des amis et on discutait de ce qu'on voyait, c'est-à-dire de savoir si telle enseigne pour un pharmacien datait de s'il y avait vraiment une influence autrichienne dans le deuxième lettre, dans l'empattement du A, etc. Enfin bon, nous, ça semblait tout naturel. Au bout d'un moment, nous avons remarqué que notre conversation était assez étrange. Je crois qu'il va être temps de se quitter, donc nous allons tous sortir et observer les inscriptions et les enseignes. Et Guillaume, vous... Oui, je voulais juste dire un mot en notre nom à nous, intervenants, et peut-être, je ne les ai pas consultés, à tous les intervenants des précédentes conversations. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de la dernière conversation organisée par la Cité d'architecture et du patrimoine. Personnellement, je m'en attriste parce que je trouve que le fait d'organiser des conversations relativement informel, dans lequel on se retrouve en petit comité dans une bibliothèque. Le fait de dire une bibliothèque, c'est un lieu où on peut aussi parler, écouter. C'est quelque chose de très rare, c'est quelque chose d'informel, qui n'est pas le registre de la conférence. Voilà, donc je trouve que c'était une forme particulièrement intéressante. Je remercie Sandrine, ici présente, de la porter et de lui donner... Alors, je ne sais pas si ce soir, on lui donne toute satisfaction, mais en tout cas, ça a donné lieu à un vrai travail, un vrai tissu, des vraies découvertes. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose d'important. Merci. Oui, je veux tout de suite vous rassurer. Je m'appelle Marie-Hélène Contal. Je suis responsable du développement culturel ici. Nous interrompons en effet ce programme. Nous le reprendrons à la rentrée. Sans doute, je suis désolée de vous le dire, sans doute dans un autre endroit qui permettra d'avoir une jauge un peu plus importante. Il y a eu quelquefois des débordements ici qui permettra d'avoir, alors pas 300 personnes, mais peut-être un peu plus que peut-être 50 personnes. Peut-être aussi un peu d'images possibles, c'est-à-dire la possibilité pour les conférenciers, c'est pas une obligation, mais de peut-être quelquefois montrer des images. Ça aurait pu être par exemple intéressant ce soir, même si
votre rhétorique illustrait votre propos, bien sûr, et aussi pour soulager un peu la programmation du jeudi soir, parce que le jeudi soir, c'est le soir des nocturnes. Nous nous emparons tous de cette soirée parce que nous avons la possibilité pour la cité qu'elle soit ouverte assez tard, je dirais à coup constant en quelque sorte. Mais on se retrouve maintenant le jeudi soir avec 3-4 manifestations et de toute évidence, il y a un cours public ce soir par exemple en particulier, ça croise des publics. Donc on va essayer d'étaler un peu plus sur la semaine les différents programmes. Et donc je ne suis pas convaincue, je suis désolée de vous le dire, que nous resterons dans ce lieu, mais je vous promets que le prochain conservera cette intimité. Il ne s'agit pas d'arriver à des jauges de 500 personnes. Moi aussi je suis très attachée à ce public des conversations qui s'est créé. Je remercie effectivement toute l'équipe, Mathias et Sandrine en particulier, pour avoir su le créer. Mais nous allons développer, et encore une fois, nous devons tenir compte aussi de contraintes de sécurité, de confort, et encore une fois, quelquefois d'encombrement des manifestations et d'organisation interne des équipes qui nous mènent à différer, à reporter donc la suite du programme à la rentrée de septembre. Je suis désolée. C'est deux séances qui sont reportées d'ailleurs, parce que j'ai eu un entretien avec les protagonistes qu'on a pressentis et on va reporter. Voilà, merci. Merci à tous, merci Sandrine.